Bon, bon, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Non, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Non, on n'est pas déçu. On n'est pas déçu. On aborde déjà le jeu. On va donc jouer à Through. On n'y arrivera jamais, ça. The Darkest of Times. On va donc créer. On va donc bah, tout simplement devenir résistant et monter un petit groupe de résistants pour contrecarrer les plans des nazis. Un jeu qui a l'air d'être à choix. Un jeu qui a l'air très sympa. Bah, on va voir. Du coup, on le teste. La prod des SWAT de plus en plus. Je peux vous remettre une intro hein, si vous voulez. Ça sera que la cinquième. Ah ouais, venez, on dit TDT. Ah, TDT, c'est pas mal. On joue à TDT. Ah ouais, c'est pas mal. Allez, on est parti. Football manager de la résistance. Alors non, pas à ce point. C'est quoi ce grésillement? Alors c'est la pluie en fait. C'est Mettez-vous un peu dedans. Hein. Allez, on est en 1933, s'il vous plaît. Ouais, on évite aussi les jeux de mots, les gars. Hein. On va se la jouer mature sur celle-là. Découvrez tous les scénarios du jeu. Alors ça, c'est le mode quand t'as déjà joué, je crois. Hein. Tout le monde est en alerte maximale. Le jeu a pas l'air facile en plus. Mode scénario. Alors. Freda Lose, je suis une artiste social-démocrate. Ah, est-ce que je veux incarner elle? Oh, ben, il y a qui d'autre? Anna Hether, chômeuse conservatrice catholique. Ah, oh, bah, ben, moyen. Roman Jan Janczewicz, soudeur social-démocrate. Golda Frankfurter. Ah, oh, mais non, ça mal. Vera Brand, libérale modérée, veuve. Ah, pas mal. Et tu peux changer leur tête? Et moi, c'est leur nom. Oh, pas mal, ça, ce look. Oh, pas mal, mais il y a tous les looks. Mais faut créer ton perso. Non, tu peux pas créer ton perso. Monica Grimmig. Dactylo social-démocrate. Et ça change quelque chose. Oh, mais excusez-moi, je ne veux pas être. Incarner Hitler, moi. Enseignante social-démocrate. Ah, mais il y en a qui sont cramés très vite. Hein. Ah, Charlotte! Chacha, elle peut ne pas être cramée. Va en mode résistance, là, c'est le mode bac à sable. Non, mais je crois pas. Hein. Modifie des settings. Barbe. Ah non, on peut pas lui mettre de la barbe. Bouche. Ah, mais elle est très bien, elle. Ah non, là, elle est trop agressive. Il faut qu'elle se fonde dans la masse, un peu. Quelque chose de très léger. Là, on arrondit son visage pour pas qu'on croie, justement, que c'est... Go Résistance. Résistance, c'est la campagne. Vous êtes sûr? Faites très attention, la police et la Gestapo sont en alerte. Les membres de votre groupe menacent constamment de partir. Pas de sauvegarde, pas le droit à l'erreur. Oh, mais j'ai jamais joué, on va te choke dans 5 minutes et vous allez m'en vouloir. Je vous connais, moi. Je crois que c'est les difficultés, ça. Je crois que c'est les difficultés, voilà. J'ai regardé un autre petit streamer et on lui disait que c'était mode scénario qu'il fallait faire. Vous voulez me voir en choke et ensuite vous me dites, ah, c'est vrai que t'es pas fou sur les jeux. Hein. C'est scénario, c'est bac à sable. Bon, allez, résistance. Allez, on va crever vite. Freda Lose. Sophie Brand. Bert Peters. Ils ont pas de nom très marrant. Franz Friedrich! Oula, Gustav Gore, il rigole. Hop! Vera Léopold. Hein, moi, je veux un homme. Eh, mais fais comme tu veux. On teste au pire Go Scénario après. Non, mais non, faut apprendre le jeu, il nous faut le tuto. Vous êtes con, vous êtes con, vous êtes con, vous êtes con. Bon, est-ce qu'il y a. Oh putain, j'avais vu des noms hyper drôles. Et moi, j'ai aucun nom drôle. Ah bah, communiste, ça va pas le faire si on est. Qui est-ce qu'on prend? De toute façon, ça change rien. Hein. George Hoffman. Karine Schmid. Ah, elle, j'aime bien. Oh, chômeuse communiste. Non, mais ça passera jamais, ça. Oh, c'était chaud, hein. C'était chaud à l'époque. Hein. Eugène Hoffman. Ah, oh, mais Eugène Hoffman, il est très très énervé, Eugène. Eugène, on a l'impression qu'il est méchant avant même d'arriver. J'avais Ponce. Oh, elle est bien. Rita Mouleur. Rita Mouleur, personne se dira. Personne se dira. Que c'est la merde avec Rita Mouleur, c'est parfait. Les vêtements, qu'est-ce qu'on lui met? On lui met un truc genre vraiment, voilà, bien sur elle. Bien sur elle, comme ça c'est parfait. Mouleur? Müller? Je sais pas comment on dit. Chaque Allemand honnête a forcément honte aujourd'hui de son gouvernement. Oh Rita, mais tu me plais là. Chapitre 1, la prise du pouvoir, renverser le régime. Donc c'est un jeu où nous allons gérer un groupe de résistants et essayer de faire des choses. Voilà, tout simplement. Elle a l'air prête à faire ta compta là. Mais mec, c'est le but, hein. Le but est de pas se faire griller. Hein. Le 30 janvier 1933, le président Paul von Hindenburg nomma Adolf Hitler chancelier. Prenez note, hein, si vous êtes arrêté en cinquième. Ce soir-là, trois camarades se réunirent dans l'arrière-salle d'un bar de Berlin et se promirent de résister aux épreuves à venir. Partout en Allemagne, des citoyens ordinaires, des amis et des familles firent ce même serment. Aider les autres et combattre un régime cruel au péril de leur vie. Voici leur histoire.
Oh putain, on aurait dit la trilogie du samedi, là. Avec Dead Zone en premier. Boum. Oh, Hitler est chancelier. Zentrum discute avec Hitler. Le parti conservateur Zentrum s'interroge sur la poursuite par le chancelier de certaines mesures déjà engagées. Suite à l'élection, le nouveau gouvernement conservateur mené par Hitler devrait accueillir plusieurs ministres du Zentrum. Hitler n'a encore rien validé. Oh. Des dizaines de milliers de membres de la milice des chemises brunes SA ont défilé Brandenburger. Tor. Suite à la nomination d'Hitler, le groupe paramilitaire était clairement préparé et attendait ce moment. Oh là là, c'est terrible. D33. La NSDAP se réjouit, les libéraux et la gauche sont catastrophés, Hitler a juré de respecter les lois et la constitution. Il y a un petit spoiler. Alors ça, c'est nous, ça. Oh ben... Pff. Oh, on n'est pas avec... On n'est pas avec une team folle, là. Ah là, je nous sens un peu léger, hein. Attends. Dis-moi, tu peux fermer ta gueule, là, le mec en fond. Merci. En entrant dans notre lieu de réunion secret, j'entends Ewara Wormser dire « Ils l'ont nommé chancelier Hitler, c'est une catastrophe !» Comment le président Hindenburg a-t-il pu le choisir ? Ah, donc là, il faut répondre. T'es grave vénère ce soir. Ah, ce soir, je vous ai dit, hein, moi, je rigole pas, je suis là pour monter... je suis là pour être Jean Moulin. Ah, je me ferai pas avoir. Nous savions que ça allait arriver. Qu'allons-nous faire à présent ? Qu'est-ce qu'il nous manque ? Nous n'avons pas le temps. Ah, qu'allons-nous faire, hein ? On n'est peut-être pas le leader au début, on va prendre des infos quand même. Hein. Attends, on est avec Krista et Wara et c'est nous qui allons faire la diff, là ? C'est terrible, reste à savoir ce que nous allons faire face à cela, dis-je. Il faut faire quelque chose de fort, trouver le moyen de réveiller les gens. Et il faut le faire maintenant, s'exclama Krista. Ok, Krista, elle est déter. Nous n'en sommes pas encore là. Ah, pourtant, elle a une tenue, gros, on dirait qu'elle est prête à tout faire. Elle. Nous devons convaincre plus de gens de soutenir notre cause avant d'attirer l'attention sur nous. Ok, il faut grossir le groupe. Ils saisiront le moindre prétexte pour arrêter des gens comme nous. Tu n'es pas d'accord, me demandait Wara ? Je pense que tu as raison, il nous faut plus de soutien. Ah bah ouais, bien sûr. Il faut déjà, on va pas être trois là, qu'est-ce qu'on va foutre ? On va vendre du pain, nous. Tu vois, s'exclamait Wara. Pendant que nous discutons, les nazis persécutent et tuent des gens. Tant qu'on ne les arrêtera pas, ils continueront de grossir leur rang. Krista boit une gorgée. Je comprends bien, mais nous devons être prudents. Ah bah ouais, on va pas aller dans la rue à dire non aux nazis là. C'est ça c'est erreur, hein. c'est erreur, hein, je pense. Hein. On va être prudents au début. Tu as raison. Cependant, nous ne serons utiles à personne une fois morts ou en prison, n'est-ce pas ? Bon. Quelle serait la tâche la plus importante pour le moment ? Demanda Krista. Aider les gens persécutés. Dévoiler la vérité et la propager. Combattre le régime. Ah bah, je pense qu'il faut direct combattre... Ah, je cache les choix depuis tout à l'heure. Ah ouais, vous me dites, hein. Hop, je me décale légèrement, comme ça. Comme ça, vous voyez tout. C'est vraiment le principe du streaming. Boum. Clac. Un petit souci de votre côté. Vous me dites. J'adapte. Hop. Je me mets comme ça, là. Comme ça, on est bien. On se régale. Peut-être qu'il y a un moment où ça va cacher un autre truc. Hop, on se redécalera, c'est comme ça, tout le long de la soirée, bienvenue sur le stream. On va combattre le régime. Il faut arrêter ça à tout prix. Fin de la scène. Ah, ça leur a pas plu. Alors qu'est-ce qu'on fait du coup ? Point de contrôle, préparer les missions, lire des informations. Ah bah ça, on a déjà eu ça. Bah préparer des missions. Alors du coup, on a ces trois personnes. Donc ce que je vous disais, c'est que chaque perso a genre des forces et faiblesses. Ici, il y a la date, donc 1er février. En haut à gauche, on a le moral. À droite, sympathisant. On a 5 sympathisants. C'est un début. Ça a l'air propre en vrai le jeu. Hein. Je l'ai fait parce que j'espère qu'il est bien. On découvre tout juste. Oula. Excusez-moi, il y a la chargée de culture de Vaux-en-Velin qui vient de m'envoyer un message Facebook. Ça m'a perturbé. On est en 1933. Rita Müller. Alors, elle est infirmière social-démocrate. Donc du coup, en fait, chacun a des caractéristiques. Elle a 1 de discrétion, elle a 4 d'empathie. C'est bien, elle va comprendre les gens, elle va pouvoir facilement parler. 2 de propagande, 3 de force. 3 de force, c'est un peu mentir. Et 2 de culture. Elle, c'est moyen man. Et Wara, c'est moyen man. Elle est discrète, parce qu'elle est pas discrète, l'autre. C'est ça un peu le souci. Excuse-nous. Ah bah, ça pèse, hein, Vaux-en-Velin. Veuve communiste... Non, mais là, on est grillé de... On a une chômeuse, une veuve communiste... Bon, une infirmière, limite, c'est pas mal. Discrétion 2, empathie 4, propagande 1, force 2, culture 3. Elle va rester. Donc là, on a des petits trucs. Quartier général, le lieu confidentiel où nous réunissons pour organiser nos opérations. Ok, donc c'est là. Et donc là, on a justement dans la ville différentes choses. Il y a des missions inconnues, où j'imagine qu'il va falloir différents sympathisants. Ça, c'est des je ne sais quoi. Et donc, du coup, on a d'autres missions. Parler aux ouvriers. Collecte de dons. C'est pas mal. Donc là, il y a le niveau des risques. Et il y a des membres qu'il faut. Et du coup, il faut des semaines aussi, qu'on peut trouver un nouveau membre. Ah bah je vais trouver un nouveau membre direct. Nous devons trouver des candidats de confiance qui ont envie de rejoindre le groupe mais qui ne vont pas révéler que nous faisons du recrutement. Ah bah vas-y, viens, on fait ça, tranquille là. Pssst, pssst. Je devrais être capable de le faire. Merde, j'ai pas lu tout ce qu'elle a dit. Donc là en gros, il nous faut une personne. Inventaire, le monde tourne autour de l'argent. Permet de voyager, de payer et de soudoyer.
Ah, on est obligé de payer des gens pour Ah ouais, donc ça va nous coûter 20. Mais on va avoir un bon moral. Bah je pense qu'on va faire ça, hein, meneuse. Encourage ses coéquipiers lors de mission. C'est convaincre lors de discussion politique. J'envoie elle. J'envoie que elle. Danger. Indique le niveau de danger de cette mission. Et donc du coup, si je mets plus de gens, il y a plus de préparation. Et les compétences requises, c'est quoi? C'est discrétion et empathie. Elle a 2 en discrétion, 4 en empathie. Ah, c'est la bosse à ce niveau. Allez, on y va. Confirmé. Ah, et donc du coup, en fait, durant une semaine, on fait toutes nos actions et ensuite on fait la fin des préparatifs, c'est ça? Genre là, on a un inventaire avec un vélo, des marques, donc les marques, c'est l'argent. Et ensuite, on a des contacts. C'est propre. Là, on va envoyer des gens pour collecter des dons. Une dans chaque. Ah, oh bah ouais, ça va être ça. Hein. Et c'est elle qui a dit qu'elle pouvait le faire, j'ai pas vu, merde. Empathie et propagande. Elle a 4 et elle a 2 en propagande. Collecter des dons et tout, et ça va rien nous coûter du tout, ça. Boum. J'envoie Muller. Préparation full. Et là, pour aller parler aux ouvriers, mission déverrouillée. Il Smith, une ouvrière sympathisante de notre groupe, veut nous présenter certains de ses collègues. Ah bah c'est bien, vas-y Evra. Ah, ça a l'air un peu chaud là. Néfaste, tire son expertise de son cursus universitaire. Indépendante, en recherche... Ok, donc il y a différentes caractéristiques. Pas mal, bah on va envoyer ça comme ça. Et ça a l'air un peu chaud là. J'ai rencontré des collègues de notre sympathisante et voir si nous pouvons les aider à les convaincre. Elle a 3 de propagande, elle a 2 d'empathie, je la trouve bien. Et Wara. Bon, pour l'instant, on va faire que ça. Ensuite, il y a des missions. Il y a d'autres missions. Et là, on fait fin des préparatifs. Cette action terminera la phase de préparatif et lancera. Je n'arrive pas à croire qu'ils ont nommé Hitler. Je veux le dire en regardant. Ok. C'est un bouffon. Oh. Vas-y, je confirme. Mais un vélo. Oh, j'aurais grave pu leur mettre un vélo. Marc se dit Marc en français. Ok, c'est bien. Résultat de la semaine. Il nous reste 5 sympathisants. Nos sympathisants ont donné 2 marques. C'est tout? Genre on a dépensé 20 et on en a gagné 2. Et qu'est-ce qui se passe du coup là? Ewara rencontre des collègues de notre sympathisante à Kreuzberg et leur parle pour voir si certains d'entre eux voulaient nous aider. Il s'avère qu'il y a encore des gens insatisfaits par le régime qui veulent changer les choses. Boum! 4 nouveaux sympathisants! 2 de morale en plus! Bien wesh! Combien tu chopes de sous là? C'est les 2 pesos qu'on a gagné? Rends visite aux sympathisants connus du groupe parmi les ouvriers de Kreuzberg. Ah putain, on les pompe. Ah! Madame! 20, on a récupéré les 20 d'avant. Les gens horrifiés par les dernières atrocités commises par le régime veulent aider le groupe. Merci, merci, vous êtes anonyme, bien sûr. C'est pas tendu de faire un jeu comme ça sur Twitch, ta chaîne risque rien. Mais c'est un jeu historique, hein. Y a un moment où... falloir qu'ils se détendent, Twitch, aussi, hein. Sinon, putain, ça va être infernal. Bon, j'ai pas vu... Oh, on a le choix. On a le choix entre 3 personnes. Je pense qu'il nous faut un homme. Je pense qu'il nous faut un homme, au bout d'un moment. Enseignante conservatrice catholique. Elle a de la culture. Ah, lui, il a de la propagande. Guido Schmidt. Il a 39 ans, il est chômeur. Ah, il est... Non, il est universitaire. Ah, à côté, il y a d'autres bonus. Nous vivons peut-être des heures sombres. Ah, ils nous ont volé nos voix. J'avoue, c'est moment. On peut recruter moment. Cette femme bodybuilder, j'avoue, elle a 5 de force, elle. Elle pourrait casser des gueules, hein. Elle vide son travail manuel. Elle est électricienne. Elle pourrait pas nous faire des trucs soum-soum. Genre soum-soum en mode ça débranche des câbles et tout. Libéral modéré, vise le meilleur compromis entre liberté individuelle et société forte. Lui, il est communiste, et lui, conservatrice catholique. Nous, on a quoi? On a de l'altruiste, on a une communiste, social-démocrate athée, social-démocrate. Ah, j'hésite, hein. Moi, j'avoue que Frieda a l'air quand même très forte, hein. Parce que lui, il nous apporte un peu de propagande, un peu de culture, mais on n'a pas de force. Pour l'instant, on a que... C'est combien de force au max? Attends. Là, on a 3 en force au max. Je pense que je vais prendre Frieda. Je vais prendre Frieda, elle a l'air trop forte. Et en plus, elle est libérale modérée, ce qui fait qu'on commence pas à créer des petits groupes dans le groupe. Genre quelques communistes et tout, tu vois. On est chacun différent, on est juste contre le gouvernement. Alexanderplatz. La nuit est déjà tombée lorsque je rentre à vélo. Les rues sont désertes et le vent glacé s'infiltre à travers mon écharpe. J'enfouis mon visage dans mon écharpe. Je pédale plus vite. Ah putain, on a des choix terribles. Je me protège et ensuite je pédale plus vite, moi. Je débouche sur une Alexanderplatz déserte, elle aussi. Au loin, j'aperçois un groupe d'hommes qui hurlent sur quelqu'un. Oh, en étant résistant, c'est peut-être pas intéressant de commencer directement à se faufiler. Quand c'est la merde comme ça, je sais pas si en tant que femme, en 1v5, faut y aller. Hein. Je pense qu'on contourne. Hein. Je suis désolé, hein, vous allez voir une vraie salope, hein, que je suis. Oh, c'est les SA. C'est les chemises brunes. Je découvre 3 hommes, tous portant la chemise brune et le brassard à croix gammée de la SA. Ils encerclent un civil. Ah ouais, mais là, est-ce que moi, je vais pas me faire... Parce qu'on est en 1933, donc ça commence à être vraiment la merde.
descendre de vélo et s'approcher, mais je vais prendre un stop de ouf. Ah, oh, mais c'est dur pour lui aussi, hein. Est-ce que c'est... Oh, je fais demi-tour, hein, désolé, hein. Je pense dans ce climat-là, j'y vais pas, hein. Déjà, dans la vraie vie, en 2020, je vois un 5v1. Bon, s'il y a plusieurs gens, je peux me chauffer, mais en solo, j'arrête pas le truc, hein. Je pense. Quelle merde je suis, d'ailleurs. C'est terrible. On en avait déjà parlé, mais... Je quitte à l'air d'un Alexanderplatz et rentre chez moi. Dans mon dos, j'entends le vieil homme supplier ses bourreaux qui croient... Oh. Ah ouais, le jeu démarre et je suis déjà... Ok. Ah ouais, je suis déjà dur, quoi. Déclin hebdomadaire. Ah, le moral, automatiquement, comme on est dans un climat terrible, il baisse de 10. Les choix vont être durs. Le jeu a l'air vachement bien, putain. Mission plus 9. Donc j'ai un total de moins 1 en moral. Par contre, j'ai 4 sympathisants en plus. Eh, hey, on a quasiment doublé, hein. Ah, dissolution du parlement, direct. À la demande d'Hitler, Edinburgh a dissous le parlement. Tous les membres ont perdu leur siège, le chancelier a formé un gouvernement intérimaire avant la tenue de nouvelles élections. Décret d'urgence. Les décrets d'urgence limitent sérieusement la liberté de rassemblement et de parole. Les nouveaux pouvoirs d'Hitler lui permettent d'écraser les manifestations et de museler la presse contestataire. Ah ouais, là on est vraiment... Va falloir qu'on fasse des choix intelligents. Hitler s'adresse aux généraux. Hitler s'est adressé aux officiers de haut rang pour discuter du besoin de rebâtir une armée et de s'étendre à l'Est. Coup dur pour l'Autriche, là. Oh, y a Frieda! Mais hey, on a un gang, hein. On a un gang, hein. On a vraiment un gang, là. Frieda Schulz s'approche de moi et s'écrie. Pourquoi tu n'as pas aidé cet homme sur Alexanderplatz? Oh putain, ça y est, ça commence. Comment le sais-tu? Nous devons faire profil bas. Je lui dis direct. Quel intérêt tout ça si nous n'aidons pas les gens? Demande-t-elle d'un ton exaspéré. Putain, bah, elle a pas tort, hein. L'Autriche, la Pologne, bah, pas mal de choses, pas mal de pays, hein. Bah t'as raison, mais en même temps, on peut pas aider tout le monde. Moi, je lui dis, hein. Ah, faut quand même être un peu clément, sinon on va croire... C'est n'importe quoi, s'exclame-t-elle avant de partir en claquant la porte. Nice! Le groupe est soudé! Le groupe vit bien! Ah, on est bien, là. Frieda, tu veux parler, non? Non. Ok, morale moins 5, ça se prononce Frieda. Bon, petite clim d'entrée de jeu, là. Bon, Frieda, elle va... Mais Frieda, elle a 5 de force, elle a envie de castagner des mecs, aussi. Ça castagne. Acheter du papier. Oh, mais ça va encore nous coûter des sous, ça. Fabrication de tracts à la main. Ah, bah, ça peut être bien, ça. Risque bas. Très bas. Ah ouais, il y a différents trucs. Et il faut pas de la force, je pense. La force, il en faudra plus tard. Hein. Trouver un nouveau membre. Mais on va pas avoir... collecte de dons, hein. Moi, je pense qu'on va commencer à faire de la collecte tout le temps. Donc du coup, il faut faire attention à justement qui on envoie en fonction aussi de justement des goûts et tout, quoi. Genre là, social-démocrate, par exemple, c'est très positif. Battons-nous pour une société juste. En plus, empathique, bah, ça, c'est clairement Marita. Allez, Marita, on y va. Je te mets un vélo. Ah, vélo, c'est moins dangereux. Donc vélo, on gagne un peu de dangerosité. Donc j'envoie. J'envoie Rita ici. On fait direct des tracts, là. C'est chaud de faire des tracks directs, hein, quand même, je pense. Parler aux ouvriers. Mais vas-y, on continue à parler aux ouvriers, je pense, nous. Hein. Néfaste, c'est les universitaires. Utile, ouvrière. Toi, t'es ouvrière, toi, non? Elle me raconte pas ta vie, Frieda, là. T'es électricienne, parfait. Elle est utile. Empathie et propagande. Ah, mais elle a un de propagande. Elle sert à rien. Ouais, la mieux, c'est encore elle. Hein. Je lui mets un petit vélo pour aller plus vite. Ouais, voilà, ça baisse le danger, aucun danger. Magnifique. On va prendre un peu de morale, on va prendre un peu de sympathisants universitaires. Ah, elle est universitaire. Si je mets elle, genre. Oh, la prépa est la même. Hein. Oh, ça ira très bien. Oh, c'est bon, elle a un néfaste, mais ça ira, elle sait leur parler. Hein. C'est une universitaire, mais on sent qu'elle a de la poigne. Alors, collègue de dons, ça c'est en cours. Est-ce qu'on trouve un nouveau membre? Qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on investit pour acheter du papier? Parce que faire du... Alors, fabrication de tracts à la main. L'imprimeuse... Ah, bah, j'ai cru que c'était Frida, mais non, c'est sa cousine. L'imprimeuse Ida Muller a volé une presse manuelle à son travail et nous l'a donnée. Nous pouvons désormais fabriquer des tracts à la main. Ah, mais il nous faut des rames de papier, forcément. Avant de faire les tracts à la main, il nous faut imprimer le papier, bien sûr, bien sûr. Ah, ça me semble évident. Négociatrice. Oh, on n'a pas de négociatrice, nous. On a des idéalistes, nous, c'est tout. Et il faut quoi? Empathie et culture. T'as de la... Elle a 3 de culture et 4 d'empathie, t'y vas direct, toi.
Sublime. Je te mets des renseignements avec toi. Ça sert à un truc? Ah, les renseignements. Bah non, faut surtout pas que je lui mette les renseignements, je suis trop con. Des précieuses informations sur leurs nazis et les sbires. Bah non, jamais, jamais, jamais. Sinon, on va se retrouver niqué. Ok, parfait, on fait ça. Et du coup, elle, pour trouver un nouveau membre. Charismatique, meneuse. Ah bah elle a rien de tout ça, hein. Discrétion et empathie. Oh là là, elle est pas prête du tout, elle. Hein. Non, non, je pense qu'on va pas trouver de nouveau membre maintenant. On va pas trouver de nouveau membre. Frida, je vais la laisser de côté. Et si je fais genre mission inconnue? Ah non, c'est pour l'instant, c'est pas encore dispo, ok. Tu te trompes sur le danger, à gauche, c'est moins dangereux. Bah non, oui voilà, c'est ça. Plus la barre de danger monte, plus c'est dangereux. C'est ce que je dis. Mais du coup, le vélo a fait que... Regarde, par exemple, je te le refais. J'ai gagné 20 marks, là? Comment ça, j'ai gagné 20 marks? Parce que le temps passe pendant ce temps? Ah oui, non, pardon, les renseignements font que c'est moins dangereux. Excusez-moi, excuse-moi, j'avais mal compris. Je regagne 20 marks. Non, c'est faux. Bon, ok, on est parti. On y va, fin des préparatifs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Là, on est en train de mettre en place. Merci, Crystal. Oh, merde. Je retrouve mon vieil ami Gunther dans un bar. Nous étions dans la même section du Parti Social-Démocrate pendant des années. Puis Gunther a déménagé pour son travail. Et nous ne sommes pas vus depuis longtemps. Ça me fait très plaisir de le revoir. Rita! Quel plaisir de te voir! S'exclama-t-il en me voyant arriver. Ça me fait plaisir de te voir... Ah non, pardon. Ça me fait plaisir de te voir aussi, Gunther. Comment vas-tu? Je vais bien. Enfin, je vais même très bien. Vous le reconnaissez peut-être. C'est vrai que cette voix a fait plusieurs autres jeux récemment. Sur ce stream, voilà. Je travaille dans un bureau maintenant, moi. Dans un bureau, tu te rends compte? Et toi, Rita, comment tu vas? Bah écoute, ma petite gueule, je vais pas mal, hein. Je vais pas mal. Je lui dis pas bien parce que ça pourrait faire... Mais lui, je pense que Gunther, il est louche, hein. Je pense que Gunther est louche. Pas mal compte tenu des circonstances, on va me dire. Gunther me regarde sérieusement. Oh là là, lui va falloir faire gaffe. À quoi penses-tu? Écoute, Rita, j'imagine que t'aimes pas ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Il y a 6 mois, je pensais comme toi. Mais aujourd'hui, je suis convaincu qu'Hitler est la meilleure chose qui pouvait arriver à l'Allemagne. Bon alors là, clairement, attention au mot de travers. Hein. Sinon, c'est la dénonciation. Le gougou, chez nous, c'est pour rigoler. Mais là, tu étais social-démocrate. Comment ça? Ouais, tu étais social-démocrate, tes avis, tes convictions, tes valeurs. Exactement, Castil. Je soutiens Hitler pour les mêmes raisons que je soutenais auparavant le Parti Social-Démocrate. Toi et moi, nous avons été sociaux-démocrates pendant de longues années. Et pourquoi? Pourquoi soutenons-nous le parti? Demande Gunther. Ah merde, je pensais que c'était moi. Excusez-moi, j'ai pas bien lu Lady Dascali. Pour obtenir la justice sociale, pour créer une société meilleure et non violente. Ça, parce que ça, obtiennent du travail et un salaire juste, lui, il voit que l'économie. Pour une société meilleure et non violente. Non violente. Oui, je pensais la même chose. Et maintenant, regarde notre pays. Hitler s'occupe bien mieux des travailleurs allemands que le Parti Social-Démocrate ne l'a jamais fait. Il nous donne du travail, il nous apporte la sécurité, il nous offre l'espoir. Tu t'es fait avoir, mon pote, par des discours sécuritaires, soi-disant rassurants. Tu peux pas penser une chose pareille. Je le pense vraiment. C'est Hitler qui a mis fin à la lutte des classes. Propriétaire de l'usine ou ouvrier, c'est pareil. Nous appartenons tous à la même communauté. La Volksgemeinschaft allemande. Je n'ai pas l'impression de... En fait, faut pas non plus que je me révèle trop. Sinon, si je me révèle trop, je pense que ça va être la merde. Donc faut que j'y aille un peu en... T'as pas l'impression d'oublier quelque chose? Sauf si tu es juif, rétorge, ou tzigane, ou handicapé, ou noir. La Volks, qui est censée inclure tout le monde, exclut en fait beaucoup de gens, tu ne trouves pas? Peut-être que c'est une bonne chose de les exclure. Peut-être qu'ils n'ont rien à faire ici. Peut-être qu'ils constituent une menace pour le... Bon, ils cassent les couilles, hein, Gunther. Gunther, on est clairement sur une situation de nazi ici, hein, monsieur. Voilà, en quelques phrases. Le look, tout de suite, dès qu'on a voulu mettre le 3 pièces, le regard un peu noir, on se dit... Lui, il est louche. Lui, tu vois, on se dit, attention, quoi. On cautionne pas ça, monsieur. Pourquoi t'es devenu comme ça? C'est pas ça, mon peuple. Pour moi, la justice concerne tout le monde, y compris les plus pauvres, les plus faibles. N'est-ce pas là tout l'intérêt? Non, pas vraiment. Alors, quand as-tu décidé que seules quelques personnes méritaient la justice? Pourquoi est-ce que tu vis dans tes rêves, dit Gunther? C'est toujours... Mais là, je me suis fait un monologue. D'ailleurs, ce que j'aime chez toi, mais tu devrais vivre le vrai rêve et nous rejoindre. Oh non, non, mais là... On a compris qu'il était avec eux. Hein. Va dans son sens pour avoir des infos. Oh! Régis, merci déjà pour les 10 subs. Merci énormément, Régis, c'est très gentil. Merci Simsorola et Dabs aussi pour les primes. Merci beaucoup, mais bien sûr, on va les infiltrer. Mais je suis con. Nous? Oh là là.
Ah, le Parti National Socialiste. Eh oui, dit Gunther en posant sur le comptoir le badge du parti que l'on voit si souvent en ce moment, un cercle rouge avec une croix gammée noire sur fond blanc. Alors normalement, il y a une croix gammée, hein, mais... Ça suffit ou non, merci. Je lui dis ça suffit. Je me lève, quitte le bar et tâche de réfléchir. Ça fait des années que Gunther et moi, ce mamie, nous avions un peu perdu contact, mais quand même, quand a-t-il changé à ce point? Je dois l'oublier, je vais garder contact. Je vais garder contact pour le remettre. C'est dur, mais il est trop tôt pour le laisser tomber. Fin de la scène. Mais c'est vrai que c'est dommage quand même de... Tu vois, même qu'en ce moment, par exemple... Parce que là, ça a l'air d'être un jeu historique où tu peux pas faire nimp. Tu vois, tu peux pas partir en couille, devenir nazi et tout, tu vois. C'est un jeu qui a l'air historique ou... Enfin, je sais pas, va savoir, tu peux. Je pense que c'est pas le but, quoi, clairement. Tu sais, c'est justement de pousser dans la résistance. Et justement, avec... rien que là, comme c'est historique, tu vois, bah, tu vois pas la croix gammée. C'est un truc où si au fur et à mesure, dans l'histoire, ça s'efface, parce que justement, on a peur de... C'est même pas politiquement correct, tu vois, c'est un truc historique. Pardon, tu veux devenir nazi. T'es con. Mais c'est vrai que c'est dommage, toi, de se poser des questions de... Récemment, c'est pour ça que j'en avais parlé dans Popcorn, tu vois. Prononcer le mot Hitler, si c'est justement pas des fins de n'importe quoi, etc., mais juste historique de ce qui s'est passé, on n'est pas sur des bannes, quoi. Aïe, ne pas oublier l'histoire, quand même. Bah ouais, justement. Christanix veut acheter du papier pour éviter d'être suivi. Menu activé. Bah ouais, mais tu sais pas, t'as une pression avec Twitch et tout, t'as toujours l'impression que tu peux te prendre un ban, tu sais, genre... Parfois, t'enlèves ton pull, tu montres un téton, tu te dis que tu peux prendre 6 mois, bon... C'est un peu naze en ce moment Twitch pour ça. Mais bref, ceci est un autre débat. On va le faire comme ça, ça ira très bien. On a des popcorns à assurer sur notre chaîne. Alors, pour éviter d'être suivi, elle choisit une boutique à Kreuzberg où personne ne la connaît. L'employé prend la commande et disparaît dans l'arrière-boutique pendant que Kristen Nix attend au comptoir. Au bout d'un moment, l'employé revient avec le papier. Ah bah très bien. Parce que j'imagine qu'à des moments, on va se faire... genre, il y en a qui... On va perdre des résistants. Ewara rencontre des collègues de notre sympathisante à Kreuzberg et leur parle pour voir si certains d'entre eux voudraient nous aider. Il s'avère qu'il y a encore des gens insatisfaits par le régime qui veulent changer les choses. Boum ! On reprend 4 personnes en plus. C'est magnifique, là. Pour l'instant, c'est classique. J'imagine qu'au fur et à mesure, il va y avoir de plus en plus de missions, des distributions de tracts, etc. Elle rend visite aux sympathisants. Donc là, ça, c'est la collecte. Allez, 20. Vous avez donné 19 la dernière fois. Ah, bon, c'est très carré. Événement, on fait qu'il y a moins 5. Putain, le moral est à moins 9. Par contre, on a encore 4 sympathisants en plus. Putain, mais falloir qu'on se bouge, hein. Nouvelle coalition à droite. Les partis d'extrême droite, DNVP et Stalem ont créé le Kampffront Schwarz-Weiß-Rot. Ils participeront aux élections de mars et formeront une coalition avec les nazis. Oh. Discours d'Hitler au Sportpalast. Adolf Hitler démarra la campagne électorale du NSDAP avec un discours au Sportpalast de Berlin. Heinrich Mann et Kaet Kollwitz ont démissionné de leur poste à l'Académie. Des arts prussiens sous la pression des nazis. Ça commence. Putain, point de contrôle. Vas-y, on a quoi en mission? Mais on va pas refaire des collectes à l'infini. On a combien de sous, là? Cette coalition de droite est leur dernière tentative de nous battre, mais ils vont échouer. J'aimerais pas de spoil, mais... On va fabriquer des trains à la main. Level 3, compétences requises. Alors déjà, utile, universitaire. Qui est universitaire, déjà? Allez, universitaire, toi, on te met dessus. Convaincante, c'est toucher les esprits. Il nous faut de la propagande et il nous faut de la culture. Elle est là tout, quand même. Après, ça peut être bien. Gain, moins 2. Ah, on gagne moins de gains, là. Fabriquer des tracts à la main... Ah, j'ai dit train, moi. J'ai dit des trains. Oh, ça arrive. Ah, c'est bien, ça enlève le danger ici. Bah, elle, les tracts, ça va être parfait comme ça. On va l'envoyer ici. On va pas envoyer les rames à chaque fois, quoique ça nous coûterait 20 tout le temps. Je pense qu'il faut spammer la collecte de dons, de toute façon. Il faut avoir le maximum de sous. Voilà, boum, social-démocrate, ça leur plaît beaucoup. Ça me paraît évident. Est-ce qu'on recrute quelqu'un de plus? C'est ça la question aussi. Est-ce que je recrute quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un en plus, quoi? Tu vois, c'est ça un peu la question de combien de gens je vais avoir besoin, parce que ça nous coûte des sous. Hein. On a combien? Bon, après, on a encore des marques, hein. Un universitaire, on a déjà, mais c'est vrai qu'un nouveau profil pourrait être intéressant. Je fais ça pour elle, et parler aux ouvriers, bah, le souci, c'est qu'elle, elle a pas grand-chose, quoi. Après, elle a pas beaucoup de propagande, et il faut de la propagande. Je pourrais lui faire des petits tracts, hein. Ah ouais, mais elle est très peu préparée, quoi. Si, tu vois, ça augmente le danger, ça. Je suis con, c'est bien ce que j'avais compris. Indique le niveau de préparation actuel. Et si je la confirme, il se passe quoi? Oh non, mais elle va péter tout le monde, elle. Ça manque de bourre-pif. Bon, on l'envoie comme ça. Frida, au pire, elle s'estape, hein. Oula, nous avons perdu un sympathisant. Ah bon? Il nous reste 12 sympathisants. Ah déjà, on les perd?
On avait pas beaucoup quand même. Hein. Frida Schulz veut acheter du papier. Pour éviter d'être suivie, elle choisit une boutique à Kreuzberg, où personne ne la connaît. L'employé prend la commande et disparaît dans l'arrière-boutique pendant que Frida attend au comptoir. Au bout d'un moment, l'employé revient avec le papier. On en a eu que deux. Du coup, c'est la performance de ce que ça nous donne. Ok. Et Wara passe la nuit à écrire et imprimer des tracts à la main. C'est un travail physique et difficile. Elle a beau faire de son mieux, elle en produit peu. Bon, on a déjà deux tracts. C'est bien, avec un peu de morale. Là, au début, on se pose. Le danger augmente avec la jauge, ouais. Rita rend visite. Allez, donne-nous du 19 marques, toi. Allez, allez, on veut du score, là. Bouletos, merci pour le sub. Zafomias aussi pour le prime. Et il y a Spox Malabar qui nous avait mis un prime aussi. 22. C'est mieux que 19. Forcément, parce que c'est 3 de plus. Deux tracts et Wara, c'est vrai que... Et Wara, il a mis peu d'efforts, quand même, je suis d'accord. De deux, elle s'est pas beaucoup donné. Et elle, elle nous gratte 3 sympathisants. Bon, c'est pas si mal. Et on a un nouveau gars. Alors, qui est-ce qu'on prend maintenant? De quoi est-ce qu'on a besoin, concrètement? Ah non, on va pas se prendre Ida et Frida, là, déjà que... Il est chasseur, lui, c'est-à-dire? Conservateur catholique. Parce qu'en fait, il va nous falloir un peu de tout. Qu'est-ce qu'on aurait besoin, là? Il a une belle moustache, lui, hein. Elle, elle est commerçante, indépendante. Parce que je pense que, tu vois, ça, on l'a déjà, ouvrier. Ouvrier, conservateur catholique. Merde. Il va falloir faire attention à ça. Ça manque de couilles. Après, c'est vrai qu'on n'a pas d'hommes. Enseignante, on a déjà ici une universitaire. C'est elle, là. Même si elle est chômeuse. Conservateur catholique, on n'en a pas. Ça peut peut-être plaire à des endroits. Vas-y, je le recrute. Et il s'estape, en plus. C'est pas mal. Hein. Juste, il a aucune empathie. Bon, au moins, il va caillasser. Hein. Bon, plus un en morale. C'est bien, ça. C'est bien. Attendez, je vous laisse 2 secondes avec toutes ces news. J'arrive, je vais ouvrir. On va retracer direct. Ok, heureux. Nouvelle police DSA et SS. Goring a nommé 50 000 membres. 50 000 membres DSA et SS, adjoints spéciaux de la police, avec pour mission de faire respecter la loi à tout prix. Oscar Maria Graf quitte l'Allemagne. La célèbre écrivaine Oscar Maria Graf, partie pour une tournée de conférences en Autriche, a décidé de ne pas rentrer en Allemagne. Elle a compris. Rencontre les industriels. Hitler a rencontré le capitaine d'industrie allemande et a fait le plein de dons avant l'élection à venir. Thyssen, Krupp et un certain nombre de chefs d'entreprise allemands acceptent de soutenir. Oh là là. Oh, on est un de plus. Frida Schulz, mais... Oh non. Oh, ça s'embrouille. Frida Schulz m'explique qu'elle déteste Christa. Elle est communiste, c'est... Oh. Oh, bah putain, les gars, on est 12, on va pas s'embrouiller. C'est en 33, là. Ses opinions politiques sont dangereuses pour le groupe, nous serions bien mieux sans elle. Oh, oh ouais, là, c'est... Frida, elle est arrivée après, hein. Elle m'a cassé les couilles à moi, elle lui a cassé les couilles à elle... Lui, il a le truc d'ouvrier, non? Je vais la virer. Je vais virer Frida, je pense. Frida, elle nous casse les couilles. Non mais c'est trop dur, je pense, de kick quelqu'un d'un groupe de résistants. Frida se met en colère et me crie dessus avant de quitter la pièce. Christa semble soulagée. Christa Nix plus 5. Ah, on l'a boosté, mais l'autre, elle va nous dénoncer. Elle va nous dénoncer de ouf. Elle a gagné 5 en quoi, elle? Juste en... Elle va nous balancer, c'est terrible. Et là, on peut pas fabrication de tracts. On peut pas les distribuer, les tracts? Parler aux ouvriers, bah je peux peut-être leur donner... Ah bah justement, il y a les tracts. Ah, ça c'est stylé. Alors, utile, ouvrier. Ah mais il faudrait propagande et empathie. Ah non, elle est employée de bureau. Ça va pas leur plaire. Putain, il aurait fallu l'autre. Bon, au moins, il est ouvrier, lui. Je lui mets les paquets de tracts. Et je lui mets un vélo. Mais il a pas beaucoup d'empathie. En propagande, il a quoi? Il a 2 en propagande, 1 en empathie. C'est pas ouf, hein. Bon, au moins, elle est prépare mieux, hein. Au moins, elle, je pense qu'elle est bien. Je pense que je vais prendre... Ah, je peux en mettre 2 aussi après. C'est vrai que je peux mettre et lui, et elle. Gain 11-13. Oh ouais, en fait, plus t'en mets, plus t'en gagnes. Oh, mais je mets direct elle. Au moins, on va être full là-dessus.
avec des tracts et tout. Je vais en mettre deux là-dessus. Parfait. Acheter du papier. On a déjà acheté du papier. Du coup, par contre, on en a deux. Il nous faudra une collecte de dons quand même. Collecte de dons, 4 en empathie. Et elle va gratter des sous, mon pote. Elle va gratter des sous. C'est quoi le jeu? On dirait 60 secondes. Ouais, c'est un peu ça. Pas tout à fait ça non plus, mais un peu ça. Trouver un nouveau membre. Eh non, on trouve plus de nouveaux membres. Est-ce qu'on ferait pas les tracts manquants en rame de papier? Notre message. Mais j'avais des papiers. Ici, là. Non, ici. Paquet de tracts. Là, il y a deux rames de papier. Ah, il me faut 3 rames de papier. Ah non. Ah, mais je peux... Regardez comment ça monte. Ah bah, je confirme. Je veux plus de sympathisants. J'en veux plus. Attends, elle, du coup, elle avait décalé, pardon. Et du coup, bah, je vais demander d'acheter du papier à elle. Tout simplement. Ça va nous recoûter 20 marks. Et on ferait pas une collecte? Ah bah non, la collecte, c'est déjà elle qui le fait. Ok, bah c'est parfait. On va se la jouer comme ça pour l'instant. On farme un peu, là. J'ai des contacts à droite. Ah, je suis à 0 contact. Hein. On est pour l'instant sur une organisation assez faible. Hein. On est pour l'instant sur des gens... Cette action terminera la phase de préparatif et lancera l'exécution. Parfait, on a tout le monde qui fait un truc. Nous avons perdu un sympathisant, il nous en reste plus que 11. Nos sympathisants ont donné 3 marks. Non mais là, il faut qu'on récupère beaucoup de sympathisants, là. Eva veut acheter du papier pour éviter d'être suivie, elle choisit une boutique où personne ne la connaît. Oh. Putain, police, faut faire un truc. La police fait une interruption, ce que je me cache. Chuchote, gardons nos sang-froid et allons-y. Et Wara pense qu'elle s'est fait repérer. J'aurais dû fuir. Se cacher, ça avait l'air... C'est vrai que dans les films, ceux qui se cachent quand il y a la Gestapo et tout, ça marche jamais. Bon, après, on a 16 nouveaux... Oscar pense qu'il s'est fait repérer. Oh, mais on est en... Ah, on est démantelé, quoi. Il s'avère qu'il y a encore des gens insatisfaits. Mais on a eu beaucoup de gens, quand même. Hein. Eh, c'est bon, elle prend juste du papier. Oh, par contre, elle, regardez, 24. Hein. 24 marks. Oh là là. Il est tard et je bois un verre. Je bois un verre dans Hackersk... Ah, c'est chiant la langue allemande. Hackerskermarkt. Quand un homme fait irruption en hurlant, le Reichstag est en feu, les communistes ont mis le feu au Reichstag. Je prends mon temps. Je prends mon temps pour pas être... Je vide mon verre, paye l'addition et sort. Ah merde, les rues sont bondées. J'aurais dû y aller direct. Une lueur rougeâtre, mais en même temps je voulais pas être grillé. Pas le premier sur justement, c'est pour pas être... Ça aurait pu être bizarre. Une lueur rougeâtre illumine le ciel nocturne au-dessus du palais de Reichstag. Je me demande ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on attend? Demande une femme en manteau de fourrure. Allons voir ce qui s'est passé. La foule autour d'elle acquiesce. Voilà. Je rejoins le groupe. Ou je continue seul. Je rejoins le groupe. Ouah, je me joins au groupe et nous remontons ensemble les rues jusqu'au Reichstag. Plus nous approchons, plus l'odeur de fumée et de feu est puissante. Le jeu est trop bien. L'air finit par devenir presque irrespirable. Plaquez votre écharpe sur votre nez. Ouah. Lorsque nous arrivons au pont qui mène au Reichstag, une patrouille de police nous barre le passage. La zone est bouclée, dit l'agent. Circulez. J'observe la foule. De l'autre côté du pont, le Reichstag est la proie des flammes. D'une autre, les curieux viennent s'agglutiner. Je pourrais grave me faire des contacts, là. Si je parle à la femme en manteau de fourrure... Femme en manteau de fourrure, durant la Seconde Guerre mondiale, c'est généralement ça fricote avec... Avec les nazis. Pas bon signe, mais je lui parle, on va prendre des infos. Ah oui, non, c'est une... Je m'approche d'une femme, je la reconnais, c'est elle qui a pris la tête du groupe au bar. Qui a fait ça d'après toi? Me demande-t-elle de but en blanc. C'est la question que je voulais te poser. Qu'est-ce que j'en sais, répliqua-t-elle, elle hausse les épaules. Ce qui est sûr, c'est que la vie est dure depuis que le petit Ténu est arrivé au pouvoir. Et ça, dit-elle en me montrant le feu. Ça, c'est typiquement son style, mais je t'ai rien dit, d'accord? Ah ouais? Ok. Évidemment, dis-je en hochant la tête. Parfait, dit-elle dans un sourire. Les gens comme moi ont assez d'ennuis comme ça. Les gens comme toi? Elle est zigane? Elle est juive? Si tu aimes... Alors, tu m'as l'air réglo, coupe-t-elle, esquivant ma question. Si tu aimes la musique que nos nouveaux gouvernants méprisent, passe... Ah non, passe donc, pardon. Elle me tend une carte sur laquelle est écrit la girafe dancing barbare cabaret. Ah non, elle aussi, c'est de la résistance! Avant de disparaître dans la foule, d'autres pompiers arrivent, ils doivent venir des quatre coins de Berlin. Oh, j'en ai vu assez, c'est bon, j'ai assez d'infos. On repart comme ça. Écharpe sur nous avec le petit papier. Il est très tard lorsque je regagne enfin mes pénates. Je m'endors immédiatement et rêve d'incendie et de ces étranges personnages qui avaient tous leurs idées sur l'identité des coupables. Je me demande ce qui va se passer, on continue à nous poser des questions. Danser à la girafe! Pendant les heures sombres, il est important de garder le moral.
attention que ce soit pas un piège quand même. Lyon vs PSG en Coupe de France. Bon, j'ai un peu de mal avec ce jeu. Mais pas de soucis, poteau. J'aime beaucoup, moi. Mission, on a pris 15 sympathisants. Le moral, par contre, c'est dur. On a combien de moral? Le Reichstag incendié. Un ou plusieurs criminels ont incendié le Reichstag. Les nazis ont annoncé des représailles et déclarent que l'accident est une attaque terroriste organisée par les communistes. Ah, tu m'étonnes. Tu classiques Hitler. Il fait ça et ensuite... nixer les autres. Un nouveau décret suspend la plupart des droits des citoyens accordés par la Constitution et permet aux SA d'arrêter les adversaires politiques, notamment du Parti communiste. Putain. Suite aux soupçons de complot communiste visant à détruire le Reichstag, Hitler a déclaré que les droits civils doivent être encadrés pour combattre le terrorisme. Classique, on fait peur à tout le monde, on inquiète, et derrière, on dit que le souci et la menace du pays, c'est les juifs, les tziganes. Oh là là, j'ai compris, je crois. J'ai quelque chose à dire, annonce Oscar à notre réunion, mais je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. On t'écoute. J'ai un nouvel emploi, poursuit-il. C'est un travail de domestique chez un officier nazi. Tu vas servir un de ces porcs, s'étrangler Wara. Peut-être que nous pouvons en tirer profit. Bah grave, il va être infiltré. Si jamais Oscar se servait de la situation, il pourrait obtenir des informations de première main. C'est ce que je comptais faire, confirme Oscar. Je vais en profiter pour servir notre cause. Mais c'est bien, Oscar. Beau sacrifice. Très très beau sacrifice. Préparez des missions. Oh là là, oh, il y a des nouveaux trucs. Là où ça fait mal. On va pouvoir mettre des cocktails Molotov. Putain. Il y a fou le nouveau truc. On est le 1er mars. Rencontrer un ancien syndicaliste. Danser à la girafe. Ça, c'est pour augmenter notre morale. Ça, danser à la girafe, c'est, je pense, si on est dans la merde. Si, genre, le moral est trop bas, on fera ça. C'est quoi? La pression montre ce que tous les... La pression montre ce que tous les... Ah, d'accord, donc ça, c'est les doutes, en fait. Donc là, il y a trois doutes sur... Il y a trois doutes, justement, sur lui. Et deux sur elle. Donc, faut pas les mettre dans des missions trop risquées. Ah ouais, il y a beaucoup d'officiers, là. Acheter de la peinture. Risque moyen. Ah bon, on va collecter des dons, hein. Parler aux ouvriers, risque moyen. Oh, mais je vais même plus pouvoir choper de nouvelles personnes. Contacter un prêtre. Qu'est-ce qu'il va me faire, le prêtre? La vérité les affranchira, risque extrême. Et c'est quoi, là-bas? Se cacher. Ah d'accord, donc là, c'est quand t'es vraiment dans la merde, quoi. La grande évasion. On n'a pas besoin de ça encore, nous. Putain, alors déjà, acheter de la peinture, on n'a pas besoin. On a combien de tracts, là? On a deux rames de papier, on n'a plus de tracts. Eh ouais, elle avait pas pu acheter du papier. Maintenant, c'est moyen, le risque de papier. Je pense que je vais envoyer un mec, genre lui, danser. Une femme en manteau de fourrure lorsque je l'ai rencontré lors de l'incendie. Si vous voulez danser sur la musique dégénérée, venez nous voir. Ah ouais, d'accord, mais par contre, ça te fait gagner 52 morale. Ça, en fait, c'est le truc extrême. Je pensais que j'allais juste envoyer Oscar, parce que, tu sais, peut-être un petit lien avec les nazis. Les points rouges, c'est qu'ils se sont fait griller. Plus il y a de points rouges, plus justement les nazis, les SA, etc. ont des infos. Donc du coup, ça, c'est quand on est dans la merde de ouf. On va pas faire ça. La collecte de dons, c'était pas mal. On va collecter des dons. Elle, je l'ai trouvée très forte pour collecter des dons. Elle va nous ramener du 24, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait qui peut être bien? C'est chaud de... Il y a un gros danger, quoi. Ah ouais, lui, il va augmenter le danger sur tout le monde, lui, en fait. Et en fait, il me faudrait du papier, quoi. Ou alors, il faut au moins que je puisse... Non, je vais contacter un prêtre, hein, je pense. Cache Oscar. Ça me fait pas grand-chose de le cacher. Ça fait peut-être redescendre. Nouveau membre. Un nouveau membre pourrait être bien, mais... C'est 30, hein, de cacher Oscar. Volker Schmidt... Parce que lui, il est chez les nazis, donc il peut être tranquille, maintenant. Alors, chrétien pieux et membre de l'église de Tempelhof nous parle d'un prêtre qui critique fortement et souvent le régime. Parfait, on va aller se renseigner. Mais si je fais ça, forcément, ça va mettre des doutes. Donc du coup, on va envoyer social-démocrate. Il n'y a pas genre Kato plus là? Oh, on a que des athées et tout. Bon, au moins, elle va bien préparer le truc. Non, mais là, il y a un danger qui est quand même très moindre. Mais est-ce que cacher, ça fait un truc? Parfois, il vaut mieux se retirer dans un endroit sûr pour faire baisser l'attention des autorités. Ah, je pourrais faire ça, on a quand même pas mal de sous. Hein. Est-ce que vous pensez que j'en mets un? Je mets les deux au pire. Comme ça, il se cache, et ensuite, je reviens. Tu sais, il se cache, ça va baisser le niveau de pression. Ça nous fait un peu de morale quoi qu'il arrive, et comme ça, ensuite, je peux les réutiliser. Quitte à ce que ça soit 30 balles pour un ou deux.
Autant le faire maintenant. J'ai pas grand chose de plus à faire, sinon je pense que ça va être des moves très risqués. On va faire ça. Romsic, merci pour le prime. Bienvenue. Allez, on y va. Nous avons perdu un sympathisant, il nous en reste 26. 8 marks. Ah bah plus ils sont, plus ils donnent, je pense. Oula, qu'est-ce qui se passe? Il y avait quand même un soldat, quoi, dessus, devant. Rita Müller rencontre un prêtre à Tempelhof pour voir s'il peut se laisser convaincre de rejoindre la résistance. Les choses se passent bien. Le prêtre est un opposant au régime, il nous explique que de nombreux membres de sa communauté pourraient accepter de nous aider. Ça, c'est bien. Ah, Christa. Christa rend visite aux sympathisants connus. Allez, donne les sous. Allez, 25. Oh, 24, c'est bien déjà. C'est bien, bravo. Et les deux autres, ils se cachent et ils font baisser un peu la tension. Clac. Se retient dans un endroit sûr où personne ne le connaît. Quand il revient, il se sent beaucoup plus en sécurité qu'avant. Et on prend 10 de morale. 4 de morale en tout en plus. Sympathisant, on en a gagné un, on en a perdu un. Oh, sauf que là, ça progresse. Les SA attaquent les communistes. Les SA et la police fouillent les... Mais du coup, j'ai peut-être gagné un contact à droite, faut qu'on aille voir. Fouillent les appartements et salles de réunion des communistes dans toute la ville. Confisquant des publications et arrêtant des centaines de personnes dont des membres du Reichstag. Pour célébrer la victoire électorale historique, le ministère de l'éducation a décidé que toutes les écoles et universités seront fermées mercredi. Ça prépare les jeunesses hitlériennes. Ça s'attaque aux jeunes. Avec des petits mercredis pas courts. Ça commence comme ça. Ça bourre les crânes. Résultat de l'élection générale du Reichstag le 5 mars 33. Obtient 43% des votes. La coalition nazie DNVP a une courte majorité. Suffisante pour conduire les affaires du gouvernement. Les résultats électoraux en Prusse sont similaires. Bon. Oscar Müller s'adresse à moi avant la réunion. Il y a quelques années, je n'aurais pas imaginé me retrouver dans la peau d'un espion. Mon Dieu. Tu te souviens lorsque nous avons discuté de mon nouvel emploi ? Au service d'un officier nazi. Comment pourrais-je l'oublier? Comment ça s'est passé? On dirait que mes efforts vont enfin payer. J'ai trouvé une faille à exploiter. C'est risqué, mais si ça marche, nous pourrons leur porter un grand coup. Continue comme ça. Dis-nous, mec. Formidable, lui dis-je. Continue comme ça. Ah bah, faut qu'il continue, c'est incroyable. Lettre. C'était quoi? Il y avait une lettre? Lis plus souvent le chat. Il y avait une lettre dans le journal. Ah merde, pardon. Ah là? Ah ouais, mais on peut pas cliquer. Ah non, c'est juste du décor. Je pense que là, c'est à chaque fois... Vous savez, c'est comme les jeux où t'as les news. C'était ça, la lettre que vous me disiez? Ouais, excusez-moi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de lectures, donc c'est dur de lire à 800% le chat et vous en même temps. Donc voilà, ah, déçu. Ah, j'avoue que ça aurait, des petits trucs cachés comme ça auraient pu être propres. Alors, parler à la communauté chrétienne. Ok, donc là, en fait, il y a tout le truc de communauté chrétienne qui vient de s'ouvrir. Observation des activités des SA. Risque élevé. Rassembler des preuves sur les atrocités. Ah ouais, mais ça... Vol d'un uniforme de SA. Bon, on va peut-être juste parler à la communauté chrétienne en chill, hein. Rencontrer un ancien syndicaliste, c'est pas mal aussi, ça. Trouver un nouveau membre, ça pourrait être bien. Vous voyez, là, du coup, les points de pression sont barrés des Warrell, on avait deux, il en a plus. Et Oscar, il en avait trois, il en a plus que deux. C'est quoi les SA? C'est les... C'est comme les... c'est les chemises brunes, c'est les... Il y a les SS, les SA, la Gestapo, c'est les différents... Comment ça s'appelle exactement SA, si vous avez le nom entier? On a peut-être contact. Section d'assaut. C'est en gros, je crois, la milice d'intervention... c'est la milice d'Hitler, quoi, en gros. En gros, ouais. Se cacher, on va pas se cacher à nouveau. Là, c'est un peu risqué, tous les trucs. Je pense qu'on va aller parler tranquillement. Je pense que... Alors, Karl Ziegler est prêt et nous présente certains de ses amis. Nous pouvons tenter de les convaincre de nous soutenir. Mais bien sûr, c'est elle qui va... Ah non, parce qu'elle est social-démocrate. Ah, toi, t'as deux trucs contre toi. Toi, t'as un truc contre toi. Toi, t'as un truc avec, mais t'es un danger, toi. Toi, t'es un putain de danger, toi. Il fait chier. Ou alors, faudrait que je mette elle et lui. Mais ça fait beaucoup, là. Et on va toucher, on va observer les activités, quoi. On va choper quelques sympathisants, quoi. On va pas en choper tant que ça, hein. Et si je lui mets le vélo à lui? Ouais, mais il est pas très au courant de ce qui se passe, quand même. Le truc, c'est qu'elle, elle prend des... C'est con que j'ai pas une... Faudrait peut-être qu'on recrute en plus, hein. Parce qu'en fait, j'ai pas de chrétien. Et si je... là... Ouais, non, c'est très mauvais dessin. Et si on va recruter, genre, quelqu'un? Où est-ce que je veux dire? Si on va recruter quelqu'un... Ah, mais je pense qu'en fait, on peut pas être plus de 4. Et sinon, ça s'embrouille. C'est peut-être pour ça que là, ça s'est embrouillé. La SS est la suite des SA, si tu savais pas. Ah bah voilà. SA égale ancêtre des SS. Bon bah voilà. Le mec est chrétien.
Il est conservateur catholique. Mais, c'est pour... mais en fait, le souci, c'est qu'il a deux points de pression. Et je sais pas si je dois le renvoyer se cacher ou... Je sais pas du tout. On a 49 marks. Elle, après, ça se passe bien hein, quand elle collecte... Elle, elle collecte bien, en vrai. Elle, faut pas la bouger. Là, on pourrait mettre Ewara. Ewara pourrait faire quelque chose. Il y a un risque moyen ici, quand même. Est-ce qu'il nous faudrait pas des tracts à nouveau? Pour l'instant, on a des rames de papier, mais on peut pas en faire grand-chose. Il nous manque encore une rame de papier. On va essayer d'aller recruter. Hein. Ah, mais c'est elle pour recruter, du coup. Oh, ça coûte, hein. Ça coûte, hein. Parce qu'en fait, j'enverrais bien elle parler, mais elle va pas pouvoir se faire beaucoup de potes, mais c'est toujours quelques sympathisants en plus, quoi. Ah, il y a un 6 en plus, le Oscar. Pas trop qui traîne avec les nazis. Hein. Un ancien syndicaliste. Ah, mais il y a eux aussi, qui étaient farouchement opposés aux nazis. Ah bah attends, là... Oh, mais elle pourrait être incroyable dans ce rôle. Ah bah c'est super. Ah bah elle va aller là. Ah oh, c'est super ça. Ça c'est super. Elle va rencontrer les syndicalistes, elle va débloquer ce truc là. Et je vais envoyer elle à la communauté chrétienne. Et lui, est-ce que je l'enverrai pas se cacher à nouveau? Contact, j'ai rien encore. En fait le contact il me l'a juste filé mais il m'a permis d'ouvrir justement une autre quelque chose d'autre quoi en gros. Non, comme tous les trucs sont un peu... acheter de la peinture, c'est moyen. Parler aux ouvriers, c'est moyen. Il y a quand même des risques. Hein. Je peux pas le... Je vais cacher Oscar, juste ça me coûte 30. À nouveau, quoi. Après, ça remonte le moral aussi, donc bon... Et là, je vais lui mettre le vélo pour que ce soit un peu moins risqué à Rita. Parce qu'elle est quand même social-démocrate, alors qu'ils aiment pas trop ça. On va faire ça. Après, ça fait chier de claquer 30. Honnêtement, ça fait chier. Hein. J'ai envie de voir si Oscar, je lui fais rien. Parce qu'en fait, ça fait 30 et on gagne 25 ici. Donc ça fait quand même bien chier. Je vais voir si Oscar, on n'y touche pas, s'il perd pas un peu de trucs là. On a reperdu un sympathisant, mais 8 marques en plus. On va voir niveau chrétien là ce qu'on peut faire. Sakuya, merci pour le prime. Merci pour les resubs aussi. Désolé les potes, c'est dur de... Oula, méfiant. Rencontre de membres de la communauté. Je persévère, je pense. Et leur parle du régime. Je persévère, on fonce dans le tas. Comment ça, mais persévérer, c'est pas taper, hein. Rita Miller dit, on fonce dans le tas, les soupçons se dissipent. Plusieurs d'entre eux pensent que les méthodes d'Hitler vont à l'encontre de Dieu en tant que chrétien, ils doivent agir. D'autres ont des doutes car ils considèrent qu'Hitler accomplit peut-être la volonté de Dieu. Rita Miller s'est fait repérer. Mais ils sont partout, putain. Ah, des sous, donne-nous des sous. Donne-nous des sous. 23. Christa pense qu'elle s'est fait repérer. Oh, mais on est cramé, putain. Ewara rencontre un ancien syndicaliste elle, on a gros espoir. Un sympathisant est un fervent opposant et va nous apporter son soutien. Mais il nous débloque pas autre chose? On a gagné un de morale et 5 sympathisants. Oh, c'est léger, hein. Goebbels a fondé le ministère du Reich à l'éducation du peuple et à la propagande. Ah, oh, ça commence à interdire les journaux. Grâce au pouvoir conféré par le décret du Reichstag, les nazis ont expulsé les membres du Parti communiste ayant remporté des sièges aux dernières élections. Oscar Müller me prend à part. Écoute, c'est mon frère. Je n'aurais pas cru que les choses iraient si loin, mais... C'est bon, tu peux tout me dire, dis-je. Oscar soupire, baisse le regard, puis se redresse. Hier soir, quand il est rentré à la maison, il portait un uniforme de la SA. Oscar, c'est le pire, hein. Oscar, c'est le raciste ou c'est louche, hein. Tu mets le groupe en danger. S'il découvre que t'es avec nous, tu pourrais finir en prison. Ou pire, bon Dieu, nous sommes tous en danger. Chut, ils n'ont pas besoin de le savoir, dit Oscar en regardant les autres. Écoute-moi, je sais que mon frère me fait confiance. Ça pourrait être une formidable opportunité pour nous. Je pourrais avoir des informations de première main. Ah ouais, mais lui, c'est chaud. Lui, ça a l'air d'être le pire enculé, hein. Sa moustache en dit long, hein, je pense. Parce qu'en fait, il nous apporte rien depuis le début. Hein. Je sais pas si... Parce qu'en fait, d'un côté, il a beaucoup de contacts avec les nazis. Mais... Tu peux rester, mais évite de côtoyer ton frère. C'est dur d'en faire un informateur, hein. Les liens du sang, ça peut... Il va nous trahir un moment. En même temps, on a tellement rien, vas-y, on accepte. Mais à un moment, on va le tège après. Faisons cela, vois si tu peux nous obtenir des informations utiles. Ah, lui, je sens qu'il va nous trahir. On va essayer de gratter très élevé. Oh, mais on a... On est dans la sauce. Hein. On est dans une sauce. Lightning, Enki, bienvenue. J'ai une meuf qui a deux points rouges.
Est-ce qu'on irait pas tous danser en vrai? Est-ce qu'on irait pas tous danser comme ça, on monte à 100 de morale? Rencontre avec un universitaire. Genre on peut se faire un petit on peut se faire une petite pause hein. Oscar il a perdu un point, ouais, donc du coup quand on attend on perd des points. On va tous danser ensemble, on va tous danser. Fin des préparatifs. On perd deux sympathisants quand même, il nous reste 30 personnes. On est 30 hein, déjà, on crée une petite communauté là. Nous nous rendons à l'est de Berlin dans un dancing qui m'a été recommandé par une dame. Oh, mais en même temps si on y va tous... Je reconnais la femme en manteau de fourrure dans l'entrée. Oh, c'est vous, dit-elle. Entrez, cet endroit est l'un des derniers vestiges du Berlin d'antan. Le temps d'une nuit, nous oublions tous nos problèmes sur la piste de danse. Nous partons à l'aube, en nous sentant merveilleusement bien. Faut qu'on leur trouve ça. Fin de la scène. Nous partons au petit matin, nous sentant merveilleusement bien. Bon, moral à 50, ce qui fait que le moral va être au top. On a un moins 10, mais on est à 90. On a perdu deux sympathisants. Les nazis ont ouvert un camp de concentration à Dachau pour y emprisonner les dissidents. La cérémonie d'ouverture du nouveau Reichstag a eu lieu en l'église de Potsdam. A été transmise à la radio. La journée a commencé par l'office religieux pour se terminer par un défilé au flambeau et un concert de Wagner à l'opéra de Berlin auquel Hitler a assisté. Guerre commerciale. Une guerre commerciale entre l'Allemagne et la Tchécoslovaquie se profile. Berlin a coupé tous les paiements et interdit tout déplacement entre les deux nations. Écoutez-moi tous, dit Oscar Müller en début de réunion. Eh, donne-nous des infos, gros. Grâce à mon travail chez l'officier nazi, j'ai obtenu de précieuses. Ah, il est bon en fait, hein. J'ai obtenu une précieuse information sur le régime. Je dois vous prévenir que tout cela pourrait nous coûter très cher. Il faut soigneusement planifier notre action. Merci infiniment pour tout, Oscar, lui dis-je. Tu viens peut-être de nous donner une chance de stopper ce régime une bonne fois pour toutes. Mais c'est quoi les infos, du coup? Concrètement, là. Information cruciale. On a une information cruciale, c'est où? C'est là. Des informations extrêmement sensibles sur les nazis et leurs sbires. Je peux pas cliquer? Il faudrait peut-être que j'aille justement imprimer des trucs, des tracts, c'est ça justement, va falloir qu'on mette sur les tracts, sinon acheter de la peinture, bah on va pas mettre... Ah, ils ont toujours deux points. Ah, mais il faut aller tout le temps... Oh, on a les ouvriers là, on aurait un contact avec les ouvriers. Oh, c'est dommage qu'on ait plus... Ah, c'est lui l'ouvrier, mais lui il est en... Il avait marqué lire au QG. Lire les informations. Non, non, c'est pas les informations... Non, non, on peut pas... Tu sais, ça c'est lire les informations classiques, ça. C'est juste ça, c'est les 4 personnes et... On a des risques bas là, je pense qu'il faut faire des trucs. Rencontre avec un universitaire. Ça peut être pour elle ça. Elle va nous débloquer cette porte, elle. Elle est universitaire. On peut peut-être pas y aller avec des informations cruciales dès le début. Régime n'est pas très populaire. Ce qui fait qu'en fait on va se débloquer et les chrétiens, et les ouvriers, et justement les universitaires. Papier, aucun risque. Mais ils ont deux de pression. Je sais que vous allez pas aimer, mais j'ai envie de limite les envoyer se cacher. Tu vois, j'envoie les trois se cacher. Parce que sinon, ça va être chaud, quoi. Je vais envoyer les trois se cacher et elle, je lui mets un vélo pour que ce soit vraiment sans aucun danger. Parce que là, tout ce qu'ils vont faire, ça va être chelou, ils vont se faire griller. Les gars, on est Seconde Guerre mondiale, il y a une sale ambiance hein, dans les rues. Hein. Moi, je prends soin de mes résistants. S'il y en a un qui tombe, c'est fini. Hein. Je sais pas, si, je sais pas encore si on a, le cyanure dans la molaire qui est déjà incrusté pour tous les mecs qui se font choper. Hein. On a un gars quand même, son frère, il est SA, il bosse chez un nazi. C'est compliqué. Hein. 1933, PA pas encore. Oui, non, bien sûr, mais c'est pas le pire moment du climat, mais ça commence quoi. Il faut petit à petit savoir qui est important ou pas pour nous. Bon, parfait, ils se sont cachés. On a gratté justement un sympathisant. Là, j'aimerais bien qu'il revienne à zéro, s'il vous plaît. Plein pouvoir à Hitler. Les juifs ne craignent rien. Hitler rejette les accusations des journaux étrangers. Les juifs d'Allemagne ne courent aucun danger, c'est de la désinformation. Goebbels veut faire le ménage. Goebbels a annoncé une purge politique des radios. Alors lui, ministre de la propagande, on est là. Alors avant la réunion, Oscar Müller semble anormalement distrait et peu discerné. Oh, disait un. Il lève les yeux vers vous. Il s'agit de mon épouse. Elle n'est pas rentrée à la maison hier soir. Et si jamais les SA l'avaient arrêtée? Et si elle était en prison? Putain, cet enculé, là. Je le déteste, lui. J'aurais dû le virer. Nous allons t'aider. Eh, ton frère, c'est ton frère. Nous allons la retrouver. Oh, j'ai archi pas envie de la retrouver. Chercher l'épouse de Oscar. Oh, pourquoi je me suis engagé à faire ça? Oh, mais il y a des petites missions, du coup. Il y a des petites missions, en plus.
Vente de livres. Chercher le mari... Le mari de Oscar Müller ? Le mari de Oscar Müller. Alors, rien contre moi, mais tu es homosexuel, parce que du coup, ça va... Parce que Hitler, c'est dans la Death Note, là. Qu'on sache, hein, qu'on ait juste toutes les informations. Libérer l'épouse. Les SA détiennent illégalement l'épouse de l'un de nos membres. Oscar, nous ne pouvons pas compter sur l'aide de la police et devons nous en occuper seuls. Mais on va faire quoi? On va les tabasser, genre? Mais on va y aller à trois et on va dire « Eh oh! Rendez-la nous !» Curieuse, nationale conservatrice. On n'a pas une nationale conservatrice, là? On n'a que du social-démocrate, putain. Oh, on a du coco, on a rien de ce qu'il faut, on a rien de ce qu'il faut. Oh, pfff. Oh frérot, hein. Bon après, elle a l'air de faire le taf quand même, parce qu'elle est discrète et elle est empathique. Elle a pas de discrétion. Je vais lui envoyer lui et je vais leur foutre un vélo avec eux. Ça va baisser un peu le danger. Balègue d'elle. Si, si, ça va nous assurer Oscar. Oscar, il a de la force, hein. Je pense qu'il faut que je recrute là au bout d'un moment. Je vais envoyer une personne retrouver une amie. Nous allons retrouver une amie à Lichtenberg pour savoir si elle accepterait de nous aider. Anarchiste, social-démocrate, idéaliste. Je vais envoyer elle. Là, tout ce qui peut nous aider est bien. Et je vais essayer de recruter. Ah, mais la préparation n'est pas suffisante. Je peux pas... Un ouvrier sympathique, sympathisant de notre groupe, peut nous présenter certains de ses collègues. Vas-y, toi. Toi, c'est pas mal si t'y vas, là. Je peux pas recruter pour l'instant. Je suis en mission, là. Je suis en mission un peu partout. On y va. Par contre, Oscar est raciste à Skip. Ça va pas poser problème plus tard. Je sais pas. C'est peut-être entre les membres du groupe. Je sais pas. 28 sympathisants. On a chopé un peu de sous. Alors voyons voir si on... Oh mais on va... Alors Oscar discute avec nos contacts et se rend dans les bars fréquentés par des SA et leurs amis, dans l'espoir d'apprendre où se trouve... Il peut pas demander à son frère. Il découvre que les SA ont capturé quelqu'un qui correspond à la description de l'épouse de notre membre. Oscar pense qu'il sait faire... Oh, va falloir le tuer, je pense. Je vous le dis, hein. Rita Müller retrouve une amie à Lichtenberg. Elle s'oppose peut-être toujours autant aux nazis qu'avant. Il se trouve qu'elle déteste encore plus les nazis qu'à l'époque. Quand nous lui offrons la possibilité de lutter contre le régime, elle est prête à s'impliquer corps et âme. Parfait, il nous faut ce genre de gens. Et Ouara rencontre des collègues. Mais c'est bien, on est en train d'infiltrer petit à petit pour avoir de l'aide. Il s'avère qu'il y a encore des gens insatisfaits par le régime. Boum, 5 sympathisants, on en avait besoin. Et un peu de morale. Ouh là là. Oh, c'est les premiers magasins appartenant aux juifs qui commencent à se faire taguer là. On est samedi, je sors faire des commissions pour le lendemain. En apercevant la boutique au loin, je devine qu'il se passe quelque chose. Devant le bâtiment, un attroupement s'est formé, au milieu duquel je distingue plusieurs chemises brunes de la SA. Est-ce qu'on va vraiment s'approcher, quoi? En même temps, faut peut-être avoir des infos, quoi. Je pense pas qu'on peut se faire arrêter. Hein. Faut prendre des risques, hein. Je me rapproche de la boutique pour tenter d'en savoir plus. Trois SA se tiennent devant la porte de la boutique. Ils portent des... On est en 1933. Nous, on connaît parce qu'on est en 2020 et qu'on sait l'histoire. Eux, on peut avoir l'information, demander, tu sais, faire le bon allemand, juste de bonjour, qu'est-ce qui se passe. Ils portent des pancartes avec des slogans antisémites. Sur la vitrine de la boutique, quelqu'un a peint une étoile de David et le mot juif. Oh, je vais peut-être pas rentrer dans la boutique avec les SA devant. Hein. Je suis désolé, ça va pas être ouf. Hein. Lire les pancartes, bah, ça va être que des trucs de... Est-ce que je parle aux chemises brunes? Pour faire un peu le collabo, là. Voir ce qu'ils me disent. Oh, il va mal le parler. Qu'est-ce que vous faites? Demande l'ange DSA, d'après toi. Oula, je vais pas dire que vous vous comportez comme des lâches. Je sais pas. Je suis l'allemand bête. Oula là. Aucune idée, vous venez d'acheter quelque chose? Toi, m'interpelle le chef du groupe. Prends garde ou tu vas le regretter. Il s'approche de moi. Ok. Ok. Je recule en levant les mains. C'est bon, je veux pas d'ennui. De toute façon, je partais. À ces mots, je pars. Ok, ok. Ok, on bouge. Matt, bienvenue à toi. Merci pour le prime. Nous devons être vigilants. Ah oui, là, c'est chaud, là. Petit coup de presse, hein. Fin de la scène. Bon, moins 3 de morale, 5 sympathisants en plus. Boycott des commerces juifs. Himmler promu. Ah. 10 000 Prussiens arrêtés. La police prussienne et les SA ont arrêté emprisonné plus de 10 000 personnes en raison du manque dans les prisons. Des camps ont été mis en place. Oh là, c'est terrible. Christa m'annonce qu'elle est enceinte. Je ne peux pas continuer comme ça, j'ai peur que ça la nuise au bébé. Je veux quitter le groupe. Ah ouais, donc toi tu pars en congé mat, quoi. Ça y est, là, c'est... Tu prends... C'est combien, là, 2 mois? Ah, mais en même temps... Putain, mais du coup, Oscar, ça va devenir... Mais je vais pas lui demander de rester, elle va nous faire des...
Proche, je la laisse partir. Petit résumé du jeu. En gros, on est un groupe de résistants et on fait des actions pour avoir de plus en plus de sympathisants. Je suis obligé de la laisser partir, elle veut se barrer. C'est elle qui veut partir. Bah ouais, c'est comme Kiko sur FM, hein. On retient pas, nous. Ça sera dur de te remplacer, mais nous trouverons une solution. Bonne chance à toi. Elle semble soulagée et quitte le quartier général. Ah ouais, donc... Enfin, on a ton blaze, hein, quand même, hein, Christa. Fais pas non plus trop la meuf. Non, on est en full lose, et lui, il est tout le temps cramé, lui. Libérer l'épouse, très élevé. Ah, tu sais quoi, j'ai envie de l'envoyer et il va se taper, hein. Vas-y, va te taper pour ta femme. Chacun sa merde. Prends un vélo, t'auras un peu moins de danger. Ah, genre... Athlète, passer troupe, il y a tellement de caractéristiques. Violente. La violence est une solution. Invalide de guerre, instable, paranoïaque, peureuse. Oh, c'est propre hein, quand même comme jeu. On va pas envoyer, mais il nous faut un nouveau membre. Ah, c'est un peu plus safe là. Ah, c'est bon, ils ont bougé toutes les rues là. On va pouvoir commencer à faire des trucs. Mais il nous faut quoi qu'il arrive une nouvelle personne. Ah ouais, mais lui, il peut rien faire, il sert à rien ce con là. Ah ouais, il nous faut quelqu'un de confiance là. Putain, elle était parfaite, elle avait une bonne discrétion. Je fais ça et il me faut du papier. Hein. Acheter du papier. Ah, j'ai plus de thunes. Mais quelle vie. Acheter des médicaments. Bah, on n'est pas là, quoi. Ah, le couze, là. Acheter de la peinture. Saut de peinture. Permet d'écrire des slogans sur le mur. Ça peut nous réunir. Bah, on va aller collecter des sous, hein. Bon, au moins, elle peut bien le faire. Et lui, il fait quoi, Oscar? Oscar, elle nous sert à rien. Mais deux par mission, des fois. En fait, le souci, c'est que... Là, on va recruter quelqu'un. Parler aux ouvriers. Ah, mais lui, tu vois, il nous met grave dans la merde à chaque fois. Hein. En fait, c'est genre un ouvrier. Mais c'est un ouvrier qui est conservateur catholique. Et conservateur catholique, tu peux pas faire des bails ici, toi? Je te mets un vélo, ça va moins dangereux. C'est bien, c'est un catho conservateur, ça va leur plaire, ça. Envoie-le au casse-pipe. Non, non, il va pas y aller. Ou sinon, j'ai pas assez de membres libres. Ah, il faut deux personnes, quoi qu'il arrive. Vol d'un uniforme SA. Rassembler des preuves. S'il achète du papier, lui. Ah, j'ai pas assez d'argent, je suis con. Observation des activités. Non, non, il va faire ça. Hein. Parler aux ouvriers très bas. Attends, c'est combien de gens là que je peux choper avec ça? Ah, il peut choper 4 personnes. 4 sympathisants, c'est pas ouf. Hein. Et chez les cathos, 4 aussi. Quoi qu'il arrive, je vais recruter là. Oh, bon, on va se faire 4, hein, ce sera toujours ça. Impression de tract. Impression de livre. Ah, mais ouais, il va falloir qu'on commence à... De toute façon, il nous faut une personne en plus. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on recrute une personne, on prend des sous et on parle à des gens. C'est bien. Cassius, merci à toi. Bienvenue pour... merci pour le Prime, bienvenue à toi. Ah, oh, je suis un robot, là. merci, Poto. Et Ordali. Ordali Hearthstone qui lâche son Prime aussi, bienvenue. C'est quoi le principe du jeu? C'est... Expliquez-lui. Il te faut beaucoup de personnes en plus. Je pense qu'il me faut beaucoup de gens, ouais. Alors, il rencontre des... quelqu'un a tout vu, il y a un témoin. Il leur parle des moyens de résister. Oh, je persévère, rien à foutre. On fonce dans le tas. Ils avaient bien aimé. Le témoin s'en va. Il va me dénoncer. Je suis mort. Tout ça pour 4 sympathisants. Il est mort, lui. Hein. Lui, il est cramé de chez cramé. Hein. Ouratatas, merci pour le Prime. Plusieurs d'entre eux pensent que les méthodes Hitler vont à l'encontre de Dieu. Oh, mais là, lui, il est cramé de chez cramé de chez cramé, quoi. Bon, elle va nous apporter des nouveaux membres. Il nous faut quelqu'un. Il faut qu'on soit smart. Irita pense qu'elle s'est fait repérer, mais c'est pas possible. Oh, qui est-ce qu'on recrute? Putain, on va pas... Non, pas de conservateur catholique en plus. On n'a pas de communiste, mais on a déjà un chômeur et on a déjà ça. Oh là là! Quelle mauvaise fournée! Oh, quelle mauvaise fournée, putain! Oh, elle est terrible, cette fournée, là. Soit on prend la moustache d'Oscar, soit on prend la tête d'Oscar. Hills, elle a l'avantage d'être discrète. Elle aurait pu avoir un peu plus en propagande. Otto, il est médecin, mais... L'avantage d'Otto... Otto, c'est qu'il a un peu tout. Otto, il a un peu tout. Le souci, c'est qu'on va avoir conservateur catholique en double. Et ça, on le voit, en fait, on...
Et l'autre, elle a 3 en discrétion quand même. Hein. Moi, j'aime bien le 3 en discrétion de l'enseignante. Hein. Elle est conservatrice catholique aussi. Et lui, il a 3 de propagande. Lui, tu vois, s'il veut parler, juste, mais il pourra pas parler aux ouvriers parce qu'il est universitaire. Mais communiste. Communiste, on n'a aucun communiste. Ou alors, je prends lui et du coup, je les envoie tous les deux pour libérer la femme. Oscar a 3 aussi. En quoi? En discrétion, c'est vrai, mais il a pas d'empathie, c'est pas faux. Ah, le truc, c'est qu'il pourra recruter les étudiants Guido. Enseignante, juste meilleure ici pour moi. C'est difficile, honnêtement, les 3 profils sont pas mal. L'enseignante a l'avantage d'avoir de la discrétion et malgré tout de l'empathie. Et aussi de la propagande, ce qui va faire qu'elle peut, quoi qu'il arrive, aller nous chercher justement des gens surtout. Le souci, c'est que... Mais les communistes, c'est peut-être risqué. Hein. Ils vont se faire grave tacler. J'hésite entre le médecin et le quoi qu'il arrive, on a conservateur catholique. Enseignante, elle va pouvoir aller voir les étudiants, quoi. Et le médecin, les... Ah, c'est dur. Hein. En même temps, les cocos... Oh, le communiste, on a personne. Elle est quoi? Elle est athée. Social-démocrate. On a 2 sociaux... Non, il nous faut le communiste. Parce que je pense qu'on va prendre le communiste. Parce que je pense que, pour justement, dans certains cas, il va nous falloir un truc différent. Parce que si d'un côté, on a 2 sociaux-démocrates et de l'autre, on a 2 conservateurs catholiques, on va pas s'en sortir. On a besoin de diversité. On a besoin de diversité. Juif, t'es communiste, privé de service. Le mauvais mercato, là. Il est là. De nouveaux gouverneurs issus du parti nazi ont été nommés à la tête des États allemands. Oh, il s'est fait arrêter. Oscar Müller a fui pour Moscou, dit Guido Schmidt. Comme les chemises brunes arrêtent tous les communistes, la situation devenait trop dangereuse pour lui. Mais il n'était pas communiste et je viens de recruter un communiste, là, c'est ça? Nice. Et les conspirateurs en plus. Ça, c'est un truc qu'on connaissait pas, ça. Ah, mais il faut qu'on re-recrute un mec. Oh là là. Oh, le coach, là. Oh, le coach. Fuster, merci pour le sub. Oh, la bonne recrue, quoi. Bon, je suis désolé, elle peut aller se faire foutre, hein, la femme d'Otto. Enfin, d'Oscar, là, je sais pas quoi. Ah, oh, c'est chacun sa merde, aussi. Hein. Bon, toi, t'es quoi, du coup, toi? Concrètement, je t'ai recruté pour quoi, là? Nous vivons peut-être des heures sombres, mais au bout du compte, le peuple gagnera la liberté. La guerre et obtiendra la liberté. C'est bien, Guido. T'es chômeur, universitaire, communiste. Putain, c'est con, parce qu'ils aiment pas les... Eh si, il va plaire. Il va plaire aux ouvriers, lui. Il va plaire aux ouvriers, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut qu'on achète du papier. Je lui mets le vélo. Elle va acheter du papier tranquille, elle. Recrute encore. Ouais, on va pas y aller à 2 pour recruter. Hein. On n'a pas de thunes, en fait. C'est ça, le souci. On a besoin de sous. Hein. On a besoin d'une collecte de dons, là. Hein. On va se reprendre un 20 de dons, hein, minimum. Hein. Lui peut y aller, peut-être. 16, 19. Les deux peuvent y aller. Ensuite, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais les zones rouges, faut les éviter parce que, justement, elles sont surveillées. Je suis con, j'ai pas pensé à ça, mais c'est ça, non? Les zones rouges, c'est des zones surveillées, non? Ou je suis teubé? Ah ouais, depuis le début, moi, je suis, j'ai pas capté ça. Ah ouais, non, du coup, on va pas du tout aller là-bas, en fait. Ah oui, moi, j'étais en... Acheter de la peinture. Attendez voir ce qu'on pourrait faire. On pourrait pas acheter du papier, là? Non, du papier, c'est déjà elle, pardon. Excuse-moi. Acheter des médicaments. Notre partisan nous présente un médecin qui accepte de nous fournir des médicaments sans trop te poser de questions. Négociateur, culture. Et on te dit... Oh, je peux prendre des médicaments, ça va me coûter 10 balles. Hein. Si jamais, quoi. Mais on n'a pas besoin pour le moment de médicaments, c'est ça le truc. Après, c'est si jamais, là, c'est la communauté... Oh, ils aiment pas les communistes. Je regarde où c'est intéressant de taper, hein, excuse-moi, parce que je check un peu. On peut acheter de la peinture, en vrai. Hein. On peut grave acheter de la peinture. On va se prendre un ou 2 pots. Là, on est sûr d'avoir 2 pots. Est-ce que vous pensez qu'il est suffisamment bon? Je pense qu'on fait peinture.
On va pas faire, on va gratter des dons ici pour elle. Comme ça, on va se faire dons, peinture, et en même temps, on va acheter du papier. Allez. Et dès que la zone bouge, on va aller chercher justement une nouvelle personne. Alors. Oh non, je suis parti 5 minutes, mais Oscar et la meuf tank. Ah ouais, là, les gars, c'est... tu vous partez 5 minutes, il y a des gens qui sont plus là. Hein. Rita veut acheter du papier. Elle en prend 2 ? Elle en a eu 2. Donc ça va nous permettre ensuite de faire des tracts ou des livres. Allez, donne-nous 25. 25, on n'a jamais eu 25, ça serait bien. Ça serait bien 25. Attends, j'avais pas vu les zones rouges. Oh, 18. Oh. Faut que je recrute un quatrième, mais c'était dans la zone rouge. C'était dans la zone, en fait, où je pense que si tu vas dans ces zones-là, t'es sûr de prendre des pressions. C'est pour ça que j'avais des pressions à chaque fois. Yes, il a eu 2. On n'était pas sûr d'en avoir 2, mais il pense s'être fait repérer. Mais c'est déjà bien. Belle première mission. Moins 9 de morale, moins 2 sympathisants. La Cheïta, Cheïta interdite. La bataille pour la préparation de nourriture cachère est interdite. Action contre l'esprit non-allemand. On rappelle que Hitler déclarait il y a 3 semaines que il n'allait rien arriver aux juifs hein, d'Allemagne, bien sûr. Dans plusieurs villes allemandes, l'organisation officielle des étudiants a entrepris des actions contre l'esprit non-allemand en humiliant publiquement des artistes et scientifiques juifs et progressistes. Rudolf Hess est nommé Führer adjoint. Oh là là, tous les noms là qui... Goebbels... l'autre là, Himmler, ils sont tous là, là. À la réunion d'aujourd'hui, Ewara semble comme éteinte. Elle qui est d'habitude débordante d'énergie. Oh, les gars, s'il vous plaît, vous... C'est terrible. Vous le savez peut-être, mais il y a une petite épicerie à côté de chez moi. J'y vais depuis si longtemps que la propriétaire Hélène est devenue une amie de la famille. Sa voix s'éteint. Oh, elle a été déportée. Hélène a refusé de me servir aujourd'hui, j'étais sous le choc. D'autant qu'elle ne voulait pas me dire pourquoi. C'est lorsque j'ai aperçu les deux SA derrière la vitrine que j'ai compris. Elle ne voulait pas être vue en train de servir une juive, elle m'a trahi. Et je ne veux pas lui en vouloir. Je sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Ah mais tu es juive ? T'es athée ? J'ai mal lu ? Elle voulait pas être vue en train de servir une juive ? Bah, elle est athée. Elle est marquée athée. Excusez-moi ? Salomon, vous êtes juif ? Elle est athée mais juive. Ah non, parce que... Ouais. Peut-être d'athée origine juive, je sais pas. Bon, du coup, ils ont chacun un petit point de pression. Bon, alors là, du coup, la zone chaude est au milieu. Ah ouais, mais ça change tout, le fait d'avoir compris ça. Hein. On va recruter un nouveau membre. Prends un peu de vélo, là. Comme ça, il y aura moins de danger. On a besoin d'un nouveau membre. Ça, c'est chaud. Parler aux ouvriers. Parfait, il va aller parler aux ouvriers. Et t'es... Ah putain, dommage, acheter de la peinture. C'est où qu'on peint les murs, là ? Écrire des slogans sur les murs. Mais écrire des slogans sur les murs, ça nous coûte 3 sauts. Passé trouble, il faut être quoi ? Athlète, flegmatique, fonceuse, militante. On a rien de tout ça, nous. On a rien de tout ça. Acheter des renseignements. Diffusion de livres. Le bibliothécaire connaît des gens qui seraient intéressés par nos livres et pour les diffuser. Ah, mais on n'a même pas de paquet de livres. Pour l'instant, il faudrait qu'on... Il faudrait déjà, là, qu'on fabrique les tracts à la main. Et il n'y a pas d'autre moyen ? Vente de livres. Acheter des renseignements. Vol d'essence. Ah, on n'est pas là, nous. Fabrication d'une arme incendiaire. Établir un atelier. Mais le jeu est trop propre, en vrai. Impression de tracts. J'ai combien, moi ? Putain, j'ai 4 rames de papier, il m'en faut 5. Quelle lose ! Vol d'un uniforme SA, c'est très élevé. Vol de fond dans la SA. Ah, il me faut la loupe. Qui est justement au début, t'observes les activités et ensuite t'y vas. Donc lui, il va parler aux ouvriers. Elle va trouver un nouveau membre. Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est pas trop chiant en vrai ? Bah, on va. C'est chaud la collecte. Hein. J'avoue, qu'est-ce que je mettrais pas 2 personnes pour justement avoir de meilleures personnes là ? Enfin, c'était beaucoup de personnes d'affilée, mais. Si je mets 2 personnes, va savoir, ça va mettre des nouvelles, des meilleures têtes, un meilleur scouting. Pendant ce temps, lui, il parle aux ouvriers. Ça me plaît, hein. Ça me plaît, on y va. On a 76 de morale et 35 sympathisants, 34, hein. C'est bien. Fais des tracts, hein, mais les tracts, ils sont en zone compliquée. Peut-être une pépite. Y a pas de mode daltonien. Je crois pas, Dionysos, je suis désolé.
On a parlé à des sympathisants dévoués pour savoir s'il acceptera de rejoindre notre groupe. Alors on sélectionne 3 qui pourraient devenir des membres importants. Oh ! Ok, mais il y a que des sociodémocrates. Ah, mais est-ce que c'est parce que c'est des sociodémocrates qui y vont ? Et du coup, ça t'envoie ce qu'ils sont ? Oh, la métallurgiste, là. On n'a pas d'ouvrier, hein. On n'a pas d'ouvrier. 4 de discrétion. 2 d'empathie. Indépendant en recherche perpétuelle de contrat. Je pense que la métallurgiste, Kat, elle me plaît. Hein. 4 de discrétion, c'est propre. Hein. Elle, elle est moyen partout, quoi. Elle a une belle propagande, une belle culture. Ça, c'est pour les artistes. Bon, on ne peut pas les convaincre. Métallurgiste, ouvrier, elle va faire un carton chez les ouvriers. Elle, je la prends direct. Je prends 4. C'est décidé. En plus, pour... c'est bien. Bon, là, on va faire quoi? Oh là là, SA. SA, bah, fuir. La SA fait... Bah, je fuis. Filons d'ici. Salut. La mission a été annulée. Pas de soucis, hein. Si, tant qu'on est vivant. Ah, mais ils sont partout, hein. Anniversaire du fondeur. Mort d'Albert, d'Albert Funk. Communiste et ancien membre du Reichstag. Décédé à l'âge de 38 ans. Après avoir été jeté d'une fenêtre d'un commissariat de police. Ah, le suicide de 3 balles dans le dos. Ils m'ont licencié, j'ai perdu mon travail. Comment vais-je faire pour vivre maintenant? Que s'est-il passé? Ils m'ont licencié parce que je suis juive, mais il y a marqué athée. Maintenant que je suis devenu indigne de travailler, qui acceptera de m'embaucher? Nous allons t'aider. Ah, quand même! Faut donner la moitié de ce qu'on a? Ah oui, on fait dans l'humain. On fait dans l'humain. Nous sommes... Ah, c'est encore en bas. Ah, mais là, du coup, on va pouvoir fabriquer les tracts. C'est parfait. Impression de tract critique. Et il me manque quoi, là? Il manque des renseignements. Ah non, c'est les livres, ça. Il me manque quoi, l'impression de livre? T'sais, il me faut les x2... Il faut que je fasse un atelier. Je pense que l'atelier, c'est ce qui va nous permettre de tout faire. Ensuite, on va pouvoir faire des tracts et tout. Il nous faut ça. Écrire des slogans sur le mur. Il faut que je rachète aussi de la peinture. Pourquoi il y a marqué 8? C'est fini après? Putain, elle a deux trucs, hein, quand même. C'est un peu chaud. Hein. Pouvons afficher un slogan sur le magasin le plus élevé. Voilà, c'est tout le monde doit y aller, c'est le... Putain, bah on va fabriquer les tracts, hein. Ah non, elle est en galère. Il nous faudrait quoi, universitaire? Convaincant. Parfait, ça. Tiens, prends un petit vélo, toi. Prends un petit vélo pour réduire le risque, là. Ah, mais c'est chaud, parce qu'en fait... Si on le met seul, on a 2 tracts. Ah non, je peux en mettre 4. À lui tout seul, je peux en avoir 3 tracts. Oh, mais à 2, je peux avoir 4 ou 5 tracts. Est-ce que ça vaudrait pas le coup? Oh, on a bien fait d'en mettre... Soit je... Est-ce que je la mets pour en avoir 4-5? 4-5, c'est pas mal quand même. Seulement les cercles colorés où il est possible de faire des actions. Ouais, parce que le reste, j'ai pas l'argent, quoi. Collecte de dons. Allez, vas-y, on va empocher des sous ici. Elle, qu'est-ce qu'elle sait bien faire? Ah, elle sait parler aux ouvriers, mais malheureusement... Collecte de dons à Lichtenberg. Ils n'ont peut-être pas grand-chose. Ah bah, il nous manque écrire des slogans. Ah, une fois qu'on aura écrit des slogans, on pourra faire ça. Putain, en fait, ça débloque grave des opportunités. Prochain truc que je veux faire, c'est ça. Donc du coup, en vrai... Il faut que je fabrique... Il manque des sous, putain, pour fabriquer. Là, j'ai les dons. Elle fait quoi? Fabrication de tracts à la main. Je pense qu'on fait ça et ensuite on achète de la peinture. Hein. Et si c'est 4 qui fait la collecte? 18-22, 22-26. 4, elle est social-démocrate ouvrière. Elle va aller me collecter tout ça. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire de plus? Notre bonne petite Rita. Un truc pas trop chiant pour Rita. Ça plaît pas trop, ça, social-démocrate.
Elle est égoïste en plus, croyant, athée. Elle a 4 de discrétion, elle prend 0 risque. Tu penses que je pourrais carrément l'envoyer dans le truc rouge? Tellement elle a beaucoup de discrétion. Enfin, tu vois l'idée? Genre comme elle a une discrétion de bâtarde... Genre si je l'envoie là, par exemple? Ah merde, attends, faut que je la cancel d'ici déjà. Ah non, parce que là, c'est... Ah, les ouvriers, ils aiment pas les égoïstes. Putain, il me faut 3. Putain, il me faut 20 marks, il me manque 9 marks. Quelle merde. Quelle vie de merde, là. Bon, allez, on met les deux là-dessus. Hein. Elles vont gratter 5-6 marks. On a besoin de sous. Hein. Allez, on les met à 2, on y va. Pas ouf, hein, là, ce tour. Hein. Pas ouf du tout. Hein. Honnêtement, là, on est un peu en... joue safe. On joue safe. Hein. Guido passe la nuit à écrire et à imprimer des tracts à la main. Oh, 5 tracts! C'est archi propre, ça. C'est un travail physique et difficile. Il a beau faire de son mieux, il en produit peu. 5 tracts, c'est très bien. L'hôtel en avait donné 2. Hein. Et on chope combien? 26. Un gros score, les gars. Allez, on a besoin de sous, là. On va arriver en mai, là. 26. Mais c'est chiant, mon pote! Là, on va faire du sale, là. Moins 1, moins 2, c'est pas grave. Les SA s'en prêtent au syndicat. Putain, je voulais rencontrer le syndiqué, là. Rappelle-toi, MDR, le tour où t'as mis tout le monde à la cachette pour rien. N'en reparlons pas, s'il vous plaît. Guido nous a annoncé qu'il allait se marier. Nous sommes tous invités à la cérémonie. Malgré les heures sombres que nous vivions, il a organisé de grandes noces à la campagne, au bord d'un lac. Ah ouais, Guido? Ouais, mais en même temps, bon, faut vivre aussi un peu, quoi. Hein. C'est compliqué de lui dire... Bon, allez, hein. Faut vivre. Bon, on va tous se faire péter, là. J'espère qu'aucun invité ne décèlera nos secrets. Ah bah, faut peut-être pas boire trop de champagne et commencer à dire... Eh, bien joué, hein, la peinture, là, c'était top, hein. Magnifique. Il y a aucune zone rouge. Mais attends, j'ai des tracts. J'ai quoi, là? J'ai 5 tracts et j'ai 2 peintures. Il faut absolument que j'achète de la peinture. Acheter de la peinture. Personne n'est fort en achat de peinture, apparemment. Putain. Ça nous coûte 20 balles. Et là, on peut s'assurer un 3. Ce qui est pas mal. Il nous faut de la peinture. On va s'en faire 3 de plus. Parler aux ouvriers. Ah, je pense qu'il faut toujours envoyer des gens à la... Faut toujours envoyer des gens à la quête. Hein. Recrute un 5e. Tu penses? Il faut pas que je balance les tracts, là? Je distribue pas un peu de tracts? Comment je distribue les tracts, tiens? En vrai, faut que je farme les sous et que je crée un atelier. Hein. Je pense. J'ai 26, il faut que je crée un atelier, les potes. Hein. Ça va me coûter 50. Recrute, ça va me coûter cher, hein. Recruter, ça va me coûter cher. Comment je les distribue, les tracts? Ou sinon, j'achète du papier. À nouveau. Ah non, elle est pas faite pour ça, elle. Avec les sympathisants, ça te rapporte des sous. Diffusion de livres. Il nous manque des paquets de livres. Ouais, tout ça, ça va se jouer via l'atelier. Hein. Et l'atelier, quoi qu'il arrive, faut écrire des slogans sur les murs pour l'avoir. Donc, ça va se jouer vraiment... Plus tu recrutes, plus tu fais de missions, plus tu peux gagner de sous. Atelier! Ah, ils sont bien beaux. Bah, du coup, je vais... Attendez, qu'est-ce qu'elle fout, elle? Ah, mais tu vois, là, on pouvait avoir 3 peintures. Là, on va en avoir que 2 avec elle. Et du coup, j'envoie elle en recrutement. Et le vélo fait que c'est un peu plus safe. Pas ouf, hein. Bien peur que ce soit pas foufou, là, mon move, hein.
Ouais, elle, je l'envoie. Elle, je l'envoie trouver un nouveau membre. Et l'autre, ils vont acheter de la peinture. Et on CQ3. Parfait, on fait ça. 8. 8 marks. Possible de baisser le son du jeu. Ouais, pardon, souvent la même musique en plus. Kate parle à des sympathisants dévoués pour savoir ce qu'ils accepteraient. C'est à nous d'en choisir un. Il y en a 3 en face de nous. Ouais, oh, c'est fait repérer en plus. Et du coup... Ah non, non, donc ça n'a aucun rapport avec eux. Il y a un coiffeur anarchiste. Il y a une employée de bureau. On a déjà une employée de bureau. Libérale chrétienne. La liberté par l'égalité des chances selon les préceptes de Jésus. On a un anarchiste. L'anarchiste, il peut faire des bails. Hein. Il a 4 de discrétion. L'anarchiste, il a l'air trop fort. Et il est ouvrier en plus. L'anarchiste, il a l'air archi chaud. Et en plus, il pourra nous faire des petites pecous, là. L'avantage, après, du boulanger, c'est qu'il a 4, quand même, de... Il a 4 d'empathie, hein. L'empathie de... Lui, c'est moyen man. Moi, je prends lui ou lui, j'hésite. Les deux sont ouvriers, ce qui fait qu'on aura 2 ouvriers. Mais je pense que anarchiste va nous faire plus de possibilités, puisque boulanger, à part la bouffe... L'anarchiste, il peut y avoir... Alors, je pense que... Cherche à détruire toutes les structures de pouvoir et d'oppression. Dans certaines missions, je pense qu'il va être important. Alors là, on en a 5. Je sais pas si ça fait s'il y a un impact. La dernière fois qu'on en a eu 5, ça nous a embrouillé. Il a réussi, les gens horrifiés par les dernières... Oh, il a eu 18. C'est pas si mal. Combien de peintures? On en chope 3, là. Oh, il y a la police. La police fait irruption. Je persévère. J'achète du papier. Oh non, j'achète de la peinture. Oh, je me barre, j'ai fui. J'aurais dû me cacher. Oh, j'ai fui, on avait le vélo. Ah, c'est chelou d'acheter de la peinture. C'est chelou d'acheter de la peinture, je pense. Acheter du papier, à la limite, tu peux le faire. Mais de la peinture... Et en plus, elle est juive, je crois. On a bien fait de fuir. Cacher, ça aurait été la mort. Un mercredi soir pluvieux, tandis que je remonte le Schlossbrook, j'entends les éclats d'une voix rageuse sortir d'un haut-parleur et les clameurs d'une foule en liesse. J'ai l'impression que ça vient de l'Opernerplatz. S'approchait discrètement de la foule. Le spectacle démesuré, plusieurs milliers de gens sont là comme hypnotisés à écouter les diatribes de Joseph Goebbels, le nouveau ministre de la propagande. Oh, l'enfer. Qu'est-ce qu'il dit, vas-y. La suprématie de l'intellectualisme juif touche à sa fin. La révolution allemande a une fois de plus ouvert la voie de l'avenir à l'Allemagne. L'Allemand du futur ne sera pas qu'un homme de littérature, il sera également un homme de caractère. Oh, c'est fou. C'est fou quand même qu'il aurait retourné le cerveau. Qu'en période de crise, de désespoir allemand et tout, ils ont réussi à faire ça, c'est malade. C'est fou. Ce sont des milliers à s'être rassemblés sur l'Open Plate, certains scandent des slogans. À ma droite, un groupe d'étudiants se met à chanter. Ça et là jaillissent des cris rageurs. Non à la décadence et à la corruption morale. Ah bah l'intérieur, oh, on se barre. La voix de Goebbels dans les haut-parleurs. Oui à la décence et à la morale dans la famille et dans l'État. Au feu, les écrits d'Heinrich Mann. Oh là là, c'est triste. Au feu du feu. Au centre de la place, une immense pile de peut-être 10 000 livres se consume dans un feu géant. Je comprends alors de quoi il s'agit. Il s'agit de l'action contre l'esprit non-allemand annoncée par l'Association nationale socialiste des étudiants en avril dernier. Comment se peut-il qu'il y ait autant de partisans du nazisme? Ont-ils conscience de ce qu'ils font? Oh, ça suffit. Ça suffit! Ah, j'en ai assez, ça suffit. Oula, un homme au visage anguleux et gros et aux grands yeux tristes me jette un regard furtif. Ma pauvre amie, vous avez triste mine, vous ne chantez pas? Oula là, je vais fendre la sympathie pour les nazis, moi. Hein. Évidemment, je soutiens la purification de notre belle culture. Ah oui, rétorque-t-il froidement, il pointe le feu. Si vous retrouviez en face de l'auteur d'un de ses livres, que lui diriez-vous? Bah, on se doit de préserver la patrie. Ah, moi, je suis en full champ, hein. La 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 la. Je dirais qu'il est notre devoir de préserver. L'homme se retourne et me fait face. Ça y est, je le reconnais. Il marque une pause. Et je m'en inspirais pour écrire un roman. Vous êtes Heinrich Kästner, l'écrivain! Ah, il est archi con, pourquoi j'ai gueulé ça? Force à lui, il a vraiment la tenue des jeunesses hitlériennes, là, lui. Filons d'ici. On se barre. Oh là là. Bon, au final, c'était pas un piège, c'était un gars. A perdu son carnet pendant l'autodafé. Nous devons le lui rapporter. Mais c'est bien, il pourra peut-être écrire pour nous. En vrai, c'est difficile d'assumer. On a bien joué, on a bien fait. En fait, c'est normal. Hein. Tu sais pas qui est résistant et qui est justement collabo. Donc, c'est mieux de se la jouer un peu collabo en public
plutôt que « Oui, oui, je déteste le pouvoir, je suis absolument contre tous ces gens qui chantent à côté de moi. » Lors de la réunion, Michael Radke... C'est dur à dire tous ces mots, hein. Je suis désolé, moi j'ai beaucoup de mal. Il a dit ça sur un ton ironique. Bah, c'est compliqué, j'ai gueulé son nom, c'est vrai. Après, je me rappelle qu'il n'y a pas de micro dans le jeu. Mais... Alors, Krista a accouché la nuit dernière. Krista Nix a eu une petite fille. Top. Ah, du coup, elle est de retour ? Ah non, on est 5, pardon. J'étais triste de l'avoir quitté, mais quel bonheur d'entendre cette bonne nouvelle. Bon, il y a 4. Il y a 4 eux et il y a... Ah bah, Michael, c'est vrai que c'est notre nouveau gars. Oh, le carnet. Il a perdu son carnet. Nous devons le lui rapporter. Bon, on va lui donner. Ah, mais elle a 2 points. On peut être 5, apparemment. Hein. Putain, on n'a pas pu aller chercher la peinture, du coup. C'est la merde et on n'a pas l'argent. Mais on a 5 personnes. Lui, il est anarchiste. Néfaste, national-conservatiste. Pourquoi lui marche beaucoup mieux? Il faut de l'empathie et de la culture. Je vais lui ramener moi-même, hein, avec un petit coup de vélo. Des informations précieuses sur les nazis et leurs sbires, c'est bien ça. Ah merde. Après, je vais gêner ailleurs aussi, je pense. Bon, du coup, c'est en bas là que c'est pas possible. Bah, je pense qu'on retourne acheter de la peinture. Hein. Putain, mais on a cramé 20 balles tout à l'heure. Il nous sert quand, l'anarchiste, là? Collègue de dons. Oh! Oh, il va faire un gros score, lui. 22-26. Ah, ça change rien d'en mettre beaucoup, en fait. On prend le max de sous, là. Parler aux ouvriers. Ah, il faudrait parler aussi, hein. Elle, on l'a pris pour parler, un moment. Hein. Il nous faut du sympathisant, là. Hein. Faut que chacun aille un peu dans les contrées, là. Ah ouais, mais elle convainc personne, elle. Elle est chômeuse, elle est social-démocrate, elle est athée, elle nous fait chier aussi. Hein. Nous en... Ah, lui, il est fonceur et il est anarchiste. Il va être archi-propre, je pense. Qu'est-ce que je pourrais lui faire faire? Ah, j'ai pas de rame de papier. Je peux acheter du papier, peut-être. Ah, mais attends, j'avoue, je peux grave donner des tracts. C'est tout, là. Ah, c'est pas mal, quand même. 12-15. 19-23. 23-29. Ah, mais plus on a de tracts, plus ça monte, le risque. C'est pas mal, quand même, hein. 12-15, on va y aller comme ça. Ah, 19-23, mais il y a quand même un danger, là. Après, je vais y aller avec le vélo. Parce que elle, en vrai, c'est pas très risqué, son truc. Or que eux, ils jouent un peu leur vie, là. Donc j'y vais avec le vélo, et ça leur met moins. Ouais, je pense que c'est bien. On fait ça. Du coup, ça va parler aux ouvriers. Là, ça fait la collecte. Et elle va chercher le carnet. Je pense qu'on est bien là-dessus. Bon, on est toujours à 27 sympathisants. Il y a toujours du danger en étant résistant. Oh, 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 oh. 22. Bon, 22 pour 2 personnes, c'est pas ouf. Hein. La peinture, faut qu'on en achète, ouais, mais on n'avait pas les sous. Alors, les collègues. Allez, là, il nous faut 20 collègues. Allez, 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 allez. Oh, 21. Oh, par contre, on s'est fait griller. Après, on peut peut-être se faire une petite session cachette, hein, après. Alors là, on va récupérer le carnet spécial. Qui va nous... Oh, parfait. Bon, par contre, elle s'est fait griller aussi. Eh, 20 sympathisants en plus, 14 de morale. Incroyable. Hitler promet la paix. Interdiction des grèves, suspension des maires. Guido Schmidt semble frustré lors de la réunion. Les fascistes sont infiltrés partout. J'ai perdu mon emploi. Moi, un scientifique. Depuis l'autodafé, ils s'en prennent à de nombreux intellectuels. Je travaillais à l'Institut de sexologie. Ils y ont fait irruption pour fermer... Ils l'ont fait fermer pour crime contre l'esprit allemand. Nous ne sommes que des chercheurs. C'est ridicule. T'en fais pas, tu vas avoir l'occasion, mon pote, de faire le taf, là. Visite au musée. Professeur des Beaux-Arts soutient notre cause et nous indique un musée où nous pouvons encore voir de l'art dégénéré si nous le souhaitons. Mais juste pour le kiff, genre, ou... Ah ouais, juste pour le moral. Oh, je suis moyen chaud, gros, hein.
Rencontre avec une universitaire. Parfait, ça, c'est pour Guido, ça. Rosaline Schmidt, bah, c'est parfait, c'est sa femme. Vas-y, Guido. On va gagner un sympathisant, mais qui va nous ouvrir des choses. C'est parfait, ça. Sublime. Bon, alors, combien est-ce qu'on a de choses, là? Fausse piste. Si nous faisons diversion, et nous mettons les autorités sur la mauvaise voie, les membres de notre groupe pourront souffler un peu. Ah, mais ça coûte 60 balles, quand même. On en a que 62, nous, hein. Ouais, il me faut une loupe, hein. Là, il me faut ça, je crois, hein. Oh, il faut que j'observe des activités de SA, hein, je pense, hein. Je pense que c'est plus intéressant si je vais dedans, là, rencontrer un ancien syndicaliste. C'est parfait, on a du syndicaliste, là. Il n'y a pas de syndicaliste. Qui est aimé des syndicalistes? Boum, l'anarchiste. Super. Hans Silberman, notre sympathisant, nous indique qu'il sait où nous pouvons observer les SA. Il faut que j'y aille, hein. Il nous faut une loupe, hein. Et elle est très discrète. Oh merde, oh, c'est néfaste, social-démocrate. Oh, il y a deux social-démocrates, là. Et elle, c'est Grieman, elle. Ah, c'est néfaste d'être anarchiste aussi. National conservateur et curieux. Communiste, anarchiste, social-démocrate. C'est tout ce que j'ai. Il faut être quoi? Discret et empathique. Ah, oh, c'est pour Kat, hein. Oh, Kat, elle va crever, hein. On sait que Kat va crever. Je pense qu'on l'envoie, hein. Vous pensez qu'on envoie Kat ou pas? Je peux pas faire un tour safe, on a besoin de trop de trucs, là. On peut pas récupérer de l'argent. Si je les envoie tous au musée... C'est dur d'avoir 5 personnes, quoi. Nous devons les prendre. Nous devons prendre les armes, il faut contre-attaquer. Tu vois, Michael, il va être déçu, sinon. Hein. Mais il me faut une loupe, hein. Je sais qu'il me faut une loupe, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres types d'observations? Genre là, lui, par exemple, il a un autre contact. Oh, c'est la même. Ah, c'est la même merde. Hein. On n'a pas le profil pour les scouts, hein. Et il me faut aussi la peinture, hein. Ah, il nous faut beaucoup de choses. Le jeu est trop cool. J'ai envie de tenter 4 en full risque. Est-ce que je vais mettre 30 balles dans le vent, là? Ah, j'ai envie de tenter. Ah, ça va faire beaucoup si je mets aussi... Oh, 2, c'est chaud, là. Ah, il faut tenter, hein. Il y a des missions plus risquées que d'autres, hein. Oh, le danger est quand même 50-50, hein. À 2, ça va être trop, je l'envoie solo. 4, elle sert à ça, elle a 4 de discrétion. Elle pourra se barrer, au pire. Au pire, elle pourra se barrer. Collecte de dons. Ah, mais ça, je peux pas faire de l'argent. C'est pour ça qu'il nous faut absolument le truc de peinture. C'est pour ça qu'il nous faut qu'on puisse acheter de la peinture. Sauf que là, à l'heure actuelle, j'ai pas de thunes. Et le fait de pas avoir de thunes fait... Bah, j'ai pas de thunes. Et ainsi de suite. Tout n'était pas clair, mais... Là, on envoie l'universitaire. Là, on envoie l'ancien syndicaliste. Est-ce qu'il pourrait pas faire autre chose? Genre, plutôt que ça, j'envoie elle. Pff, ça, c'est safe, hein. Et Guido? Guido, il va faire des bails. Guido, t'es pas chaud, là, d'aller... Ah, t'es moyen chaud, toi. Hein. Toi, t'es un mec, c'est vrai, qui, dans l'ensemble, est quand même... Se cacher, c'est pas ouf. Qu'est-ce que c'est, ça? Jour de fête. Possède une petite ferme et propose de nous la prêter pour y faire le week-end et nous détendre. Vous pouvez maintenant organiser une fête. Ah, mais c'est pas l'idée, mais c'est 60 morales. Mais nous, le moral, on est bien. Nous, on est chaud, hein. On est chaud. Il y a un paquet de tracts. Ah, je suis en hésitation totale, là. Pendant ce temps, je peux faire ça, lui, hein. Oh, Guido, pendant ce temps, il va convaincre, hein. Donc, elle observe. Elle va rencontrer les syndicalistes. Là-bas, il y a syndicalistes. Là, il y a universitaires. Et qu'est-ce qu'elle fait, Ewara, pendant ce temps? Kat, elle va dead. Non, Kat, on croit beaucoup en elle. Qu'est-ce qu'on fait d'Ewara pendant ce temps? Communauté chrétienne? Ah, c'est pas fou, hein. C'est vrai qu'en tant qu'athée...
pas grand chose à faire, hein. Vente de livres, vol d'essence, parking industriel, on sent que... De la thune. Bah de la thune, le souci c'est que c'est en plein milieu de... Hold, le danger est pas ouf. Vas-y, je vais tenter de collecter des dons. On n'a pas le choix de toute façon, sinon on est dans la merde. Médicaments, va falloir les acheter là. Rita est morte, non non. Je quitte la réunion et rentre chez moi dans le métro, j'ai la nette impression qu'on me suit. Oh là, je reste sur mes gardes. Ouh là là. Oh non, me dis pas que j'ai perdu. Je sors du métro près de chez moi avec d'autres passagers. Je rentre chez moi. Quittant la station, je m'aperçois que la rue est pleine de monde. Faut que je me faufile. Je marche vite. Chercher une personne suspecte. Mais non, je marche vite. Sans me retourner. Quand j'arrive enfin chez moi, je mange un morceau, j'éteins la lumière et je m'assois à côté de la fenêtre. Il fait sombre dehors, mais la rue est bien éclairée. J'observe la rue. Les voitures et les gens succèdent. Ok. Je me réveille en pleine nuit et m'approche de la fenêtre. Et une ombre se trouve de l'autre côté de la rue. J'observe. Je vois l'ombre d'un homme. Il semble me regarder. Puis il fait demi-tour et s'en va. Si cette personne m'observait réellement, la voilà partie. Je rentre me coucher. Il me traque. Je dois faire très attention, ils m'ont repéré. Pour le moment, je dois faire profil bas. Allez, j'ai 4... On va partir. On va partir en week-end, là. On se fait un petit week-end loin de tout, là. Oh, il fait tout comme s'il était suspect. Bah, je pense que quand il y a quelqu'un... Oh, merde. Suis les SA et Copernic pour savoir leur plan, quelqu'un commence à avoir des soupçons. Je persévère. Oh, l'erreur. Les soupçons se dissipent. Oh, ça passe. Elle découvre que ça... Oh, c'est passé. Mais quel full chat. Full chat. Certains... Je suis désolé, je l'ai envoyé en kamikaze. Elle découvre que certains d'entre eux ont coutume de boire dans un bar de Copernic et que l'un d'entre eux s'enivre régulièrement au point de s'assoupir et d'y passer la nuit. Mais tu m'étonnes, il fallait persévérer. Oh, le clutch. Alors, Guido. Guido, il a rencontré, il a distribué 2-3 tracts, là. Qu'est-ce que tu fais? Combien de sympathisants? 14, mais c'est sublime, Guido. Ah, là, les sous, ça va être dur, hein. Avec un officier à côté. T'arrives à gratter ou pas? Si t'arrives à gratter, Ouara, c'est incroyable, hein. Mais attendez, c'est MVP, là. Bon, elle est repérée par contre. Hein. On va partir, de toute façon, on va se faire une petite semaine. Alors, l'anarchiste, qu'est-ce qu'il nous fait? L'anarchiste, normalement, ça passe tranquille. Hein. Maintient le lien avec les sociodémocrates toujours opposés au régime. Eh, on chope le contact. Premier contact qu'on a. Quoi? Pourquoi il y a eu un bruit, là? Ouh là là, méfiant. Quelqu'un commence à avoir des soupçons. Je fuis. Je me barre. J'ai pas envie de prendre de risques, j'ai déjà trop de risques sur moi là. La mission a été annulée. On prend pas trop de risques, on a eu déjà beaucoup de chats. On a beaucoup de chats et c'est nous. Hein. J'aurai plus de sous. C'est pas grave, on est en galère. Plein pouvoir en Prusse. Programme de génisme planifié. Hitler visite la flotte à Kiel. Oh putain. Quand j'arrive à la réunion, on est le 24 mai. Quand j'arrive à la réunion de ce soir, tout le monde m'acclame lorsque je franchis la porte. Que se passe-t-il? Nous voulons te remercier, dit Kat Ziegler. C'est incroyable qu'en si peu de temps, tu as réussi à rassembler un groupe de Berlinois ordinaires et en faire de véritables résistants. Oh, tu sais, si on peut aider. C'est vrai que je suis comme ça, voilà. Hein. C'est vrai qu'après Popcorn, chercher un projet où je devais m'investir, bon, j'ai trouvé ça, voilà. C'est pas pour moi, c'est pour l'humanité. Hein. C'est pas non plus. Merci pour votre gentillesse, mais c'est un travail de groupe. Je suis tellement content d'avoir un rôle à jouer. Oh, Michael, tu sais, moi, je l'ai vu en toi. Hein. J'ai vu l'envie. Bon, parfait. Eh, hey, 95 et 64 sympathisants. On est chaud. Bon, par contre, on commence à tous être grillés. Est-ce que... Oh, vol d'un uniforme. Je peux commencer à faire des trucs chauds. Je pense que c'est peut-être l'heure de chill un peu, là. J'ai combien de sous, là? J'ai 65 marks. Et la peinture est cramée. Quoi qu'il arrive, il nous faudra... Je pense qu'on va partir, on va se cacher. Mais c'est quoi la différence entre... Ah mais c'est propre parce que je peux me cacher pour elle, et elle. Et genre, je peux quand même vivre pour les deux autres. Mais est-ce que c'était si bien que ça de se cacher? Parce qu'en fait pour établir un atelier, je dois faire la peinture. Pour faire la peinture, je dois acheter de la peinture, sauf que là on est en zone rouge. Je me cache, vous pensez, je fais pas l'intégrale? Mais du coup là je peux peut-être faire un truc d'universitaire. Lui, il est universitaire, ça va plaire. Il va pouvoir lui parler. Et là, c'est quoi ça? Rencontre avec un ancien syndicaliste. Connais un ancien syndicaliste. Mais c'est clairement un anarchiste qu'on a besoin. C'est parfait. Magnifique. Envoie le mec à 4 de discrétion à acheter de la peinture. Ah, c'est pas con. Ah, c'est chaud. On sent que c'est une ambiance tendue.
On sent que même si, si Michael, il est très discret, on sent qu'il faut peut-être faire profil bas. En fait, ça, c'est des trucs qui augmentent juste le bien-être. C'est pas des trucs qui... Un de nos membres nous propose de faire la fête dans sa ferme. Ça nous fera du bien d'oublier un peu nos ennuis. C'est juste que ça fait un boost de morale monstre. Parce que je pense que c'est méga important. Là, du coup, on va avoir 35 marks. Et on pourra toujours pas écrire sur des murs. C'est combien l'achat de ça, là? C'est que 20 l'achat de peinture. Si, on va pouvoir faire ça. Prochain tour, on achète. Ok, là, on est bien, là. C'est impec. Parfait. Bye Falcon. Merci pour le prime. Merci au Keko. Sûrement. Au Keko. 61 sympathisants. 18 marques. Osef, la zone rouge, go peinture. Non, non, à chaque fois, ça nous a mis dans la merde. Ok. Morale en plus, sécurité en plus. C'est parfait. Rencontre universitaire. Je trouve qu'elle méprise la cruauté et l'irrationalité. C'est pareil pour lui. Boum. On se fait... Oh, j'ai pas check le truc de contact. Salut, j'envoie valser 59 putains de mois. Merci beaucoup, frérot. Petit week-end entre filles au top. Ok, un sympathisant en plus, ça va nous débloquer les trucs. 19 de morale en plus. Là, on est à fond, hein, morale. Les femmes à la maison. Les biens communistes confisqués. Les juifs bannis des écoles. Putain, c'est chaud. Et Vara prend la parole lors de notre réunion. Je vous en ai pas encore parlé, mais il y a quelques semaines, mon grand-père Heinrich est décédé. C'était un brave homme. Eh bien, j'ai reçu aujourd'hui une lettre de son notaire m'annonçant que j'avais hérité d'un peu d'argent. Combien? J'espère que l'argent vous sera utile à toi et ta famille. Parce que je veux pas commencer à faire les comptes, mais c'est vrai que j'ai une réputation à tenir, et c'est vrai que la dernière fois, on t'avait donné 11, sachant qu'on avait que 20. Donc c'est vrai que si tu récupères un bien qui pourrait, par exemple, valoir 100, si tu pouvais faire le même effort que nous, on a fait de nous donner genre 50, voire... On a donné 11 pour 20. Je t'en demande que 50%. Voilà, je suis gentil. Je fais... 10. Non, c'est 11 qu'on a demandé. Oh, c'est bien, ils ont plus trop, là. Ça a grave servi, la cachette. Putain, il y a plein de nouveaux trucs. Distribution de tracts et tout. Oh, putain, bah c'est là, la distribution de tracts. Et on les a plus, les tracts. Passé troupe, athlète, phlegmatique, fonceuse, militant. Oh, les tracts dans les lieux très fréquentés, ça peut être insane. Rencontre des conservateurs. On n'a pas un conservateur, nous, un... conservateur catholique, là, un truc comme ça, là. On a eu beaucoup, ça, à un moment. Pas trop, apparemment. Ah, il est conspirateur. Ah, conspirateur, mais communiste. 5-6 personnes. Alors, le truc contact, c'est quoi? Alors, elle ne peut pas nous aider pour le moment, mais elle le fera plus tard. C'est Gudrun. C'est Gudrun qui nous propose. Eh, mais je kiffe le jeu. Avouez que c'est archi propre. En ce moment, ma vie, c'est de me balader sur Steam, voir ce qui sort. Je trouve des petites pépites, là. Alors, de temps en temps, Not for Broadcast, c'était bien, mais c'était pas mon coup de cœur. Là, celui-là, c'est genre, tu sais, un peu jeu de gestion, mais en même temps, c'est de l'histoire, c'est de la vraie histoire et tout. Genre, je trouve... Parfois, j'ai peur, tu sais, les jeux sont bien, mais c'est dur d'accrocher en stream, de moi vivre le truc, vous aussi, vous le viviez. Là, je trouve ça archi cool. Bref, petit aparté, excusez-moi, on y retourne. Qui allons-nous voler? Alors, on avait besoin de loop. Les deux trucs dont on a besoin, on a 55 marques. C'est loop, qui coûte 50, qui va nous débloquer pas mal de choses, mais surtout de peinture. Hein. Mais la peinture, c'est chaud, quoi. Ah, ça augmente trop le risque. Mais en vrai, elle est trop forte, elle. Et si je mets un vélo, là? Le vélo nous assure grave des bails. Hein. Est-ce qu'on irait pas comme ça avec Erita et Michael? Le souci, c'est que l'atelier, les potes, c'est qu'on doit écrire des slogans sur le mur pour débloquer l'atelier. C'est genre, tu sais, tu... Écrire des slogans, ça va nous débloquer trop de trucs. Des nouvelles collectes de dons, des machins, ça va être trop bien. On en a besoin. Donc déjà, on envoie les deux là. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est comme d'hab, tous les trucs qu'on n'a pas encore débloqués. Ça, c'est quoi, ça, du coup, acheter des renseignements? Distribution de tracts, il nous faut des tracts, hein. Distribution de livres aussi, putain, on peut en débloquer un peu partout. Observation des activités SA, parce qu'on a plus d'argent. Donc là, il nous faudrait de l'argent. Et ça, c'est quoi, contrebande de livres? Ah, putain. Vol. Vous voulez que je voler des fonds à la SA? Lui, il est fonceur, lui. Oh, c'est chaud, gros. Je pourrais voler 42.
Attends, et si du coup je le mets pas lui? Attends, il était où lui? Il était dans la peinture. Si je le mets pas là. En fait, lui, il nous rajoute aucun danger. C'est là où il est fort, quoi. Et que je le mets en vol, là. Ah, ça reste chaud. C'est chaud de voler, hein. C'est chaud. C'est une proposition intéressante que vous m'avez fait, mais qui est chaude. Or que là, on s'assure de belles choses, ici. Non, faut... on est résistant, hein. Genre, c'est pas un truc où t'y vas en mode... Alors, les loulous, qu'est-ce qu'on fout aujourd'hui, là? Qui veut quoi? Y'a du cabécou. Oh, libre total. Bon, lui, il va nous faire un peu de conservateur, là. Il est conspirateur, c'est parfait. Elle, ça va... Là, on a la peinture, c'est le principal. C'est le principal. Fan d'Alderiat, merci pour le prime. Honnêtement, c'est le principal. Voler un uniforme et ça. Hein. Putain, on pourrait servir de déguisement avec ça. C'est pareil, ça doit être hyper chaud. Là, il me faut deux personnes. Ah là, c'est parce qu'il me fallait deux personnes aussi. Oh, c'est chaud. Attends. Oh, c'est pas mal. La peinture pourrait être assurée avec elle. Et derrière, j'envoie elle. Oh, c'est chaud quand même. Oh, c'est chaud, hein. Et je leur mets le vélo en plus. Ça met très bien 70-92, hein. Je crois qu'on va le faire. Donc du coup, il y a comment ça s'appelle? Il y a Rita et Ewara qui vont chercher de la peinture, qui nous permettront de débloquer le truc après. Il y a Michael qui va justement voler de l'argent au SA. C'est chaud. C'est chaud de ouf. Et on a Guido qui va faire un bail avec les conservateurs. Ça peut nous faire bien niveau argent, on a tellement peu. Ensuite, ça nous mettrait large pour le reste. Wal Nidali, merci beaucoup. Allez, on y va, on tente. Putain, juste avant, j'ai dit on est dans la résistance et tout, faire attention. Je les ai envoyés au... Guido rencontre un groupe de conservateurs. Considère que Hitler et les nazis sont actuellement le principal problème. Parfait, on se fait quelques sympathisants. Voilà, 6. Oh, il s'est fait repérer. Archie Powers. Rita, s'il vous plaît, on a besoin. On a déjà Choke ici. Hein. Allez. Magnifique. On s'est fait griller, mais rien à foutre. Magnifique. On en voulait peut-être trop. Allez, là c'est maintenant. Hein. Vous pouvez entrer par effraction et voler leur fond. On peut se taper au pire. Hein. Gang. C'est le jackpot, mais des années 33, il faisait pas le même bruit. C'était pas la même création de machine à sous. Oh là 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 là, quel bonheur. Accord quadripartite. Faites vos trucs, nous on arrive. Démission forcée à l'orchestre de Berlin. Oh là là. À la réunion, 4 Ziegler fulminent. L'incendie du Reichstag était une véritable aubaine pour les nazis. Que veux-tu dire par là? Ils accusent le parti communiste, leur ennemi de toujours. Cela leur donne une excuse pour les arrêter tous, y compris mon père. Pouvons-nous t'aider? J'ai besoin d'un avocat pour mon père qui est en prison, mais pour cela il faut de l'argent. Eh, tu sais quoi? T'es allé chercher 92 marques, je t'enfile 50. Ça fait deux fois que tu fais des trucs comme ça, y'a aucun souci. De toute façon, Ewara nous les doit, les 50. Ça serait cool qu'Ewara les mette de sa poche, d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien, Ewara. Chacun pour soi, mais c'est vrai qu'on t'a aidé. Ça serait un peu faiblard de laisser les copains, les camarades, solo quand t'as aidé. 50, c'est trop, what the fuck. On a... Eh, 4, elle nous a jamais laissé tomber, d'accord? Là, on voit les collabos, là. Hein. Attention. Hein. Moi, j'aide le groupe. C'est des gens qui, s'ils dénoncent, on y va à visage découvert. S'ils dénoncent les autres, t'es mort. T'es embarqué le lendemain. On doit être comme ça, là. Main dans la main. Bon, ils nous font chier être au quartier général tout le temps, là. Faire disparaître des rapports. Non, on n'a pas de sous. Bon, j'ai 93, du coup. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Elle a PEX? Niveau supérieur. Ewara a gagné en intelligence et en efficacité. Quelles compétences voulez-vous améliorer d'un point? Mais c'est le meilleur jeu au monde, putain. Qu'est-ce qu'on fait, les potes? Empathie? Empathie, il y a lui qui a beaucoup d'empathie. Et c'est à peu près tout. Personne n'a 3 d'empathie, sinon. Discrétion, c'est pas mal, mais discrétion, on en a déjà 2 à 4. Soit on booste la propagande, et du coup, elle deviendrait à 4, ce qui ferait que ça pourrait vraiment être notre safe et propagande sur les gens de culture. On va faire la propagande. Comme ça, on va l'envoyer sur de la grosse propagande à chaque fois. Ouais, on avait que des 2 de propagande. Et un 3. Donc c'est bien, comme ça on pourra envoyer fort. Fort! Bon, ça c'est bien. On a encore l'observation des activités SA qui peut être bien.
cumulés avec les slogans sur le mur. Il faut quoi là? Militant, fonceur, flegmatique, athlète, passé trouble. Oh, y a pas du tout assez de gens là. Ouh le long. On va y aller avec un vélo, hein. Collecte de dons, établir un atelier. Pour en mettre 3, c'est vrai que... Ouais, mais ça fait beaucoup monter le risque, hein. Honnêtement, ça fait beaucoup monter le risque, hein. Quoique, je sais pas, hein. Et je mets un truc de peinture en plus. Oula, oulala. Non, la peinture en plus... Et Wara, il y a plus de risques, il y a plus de... On a besoin d'y aller, hein. Et à côté... Putain, ça c'est le truc qu'on sait pas faire, ça. Pour observer les activités. Ah mais non, les activités, on les a déjà faites. On les a déjà faites, les activités. C'est chaud quand même, hein. Faire disparaître des rapports. La peinture, je le sens un peu mal, là, ouais. C'est le risque, hein, on n'a pas le choix, aussi, hein. Honnêtement, ça va nous ramener un peu de gens. Non, non, on va pas recruter, là, on n'a pas besoin de recruter, on a déjà... On a déjà ce qu'il nous faut. Ça va passer, ça va passer. Faut y croire, là. À côté, il nous faudrait des petits coups, là. Diffusion de livres. On peut rien faire, en fait. C'est quoi, ça? C'est quoi, deux, là? Dans deux tours, c'est fini, le jeu? Il te manque des cathos dans ton groupe. Ça fait chier, hein, parce que je peux jamais aller parler à eux, là. Tu vois, ils m'aiment pas, eux. Bon, il y a pire, mais... Tu vois, je vais juste... Je vais juste avoir 4-5 pecnos que je vais convaincre, là. Non, mais de toute façon, il me faut la peinture. La peinture, c'est le plus important, je pense, parce que ça va nous permettre de débloquer trop de trucs derrière. Donc ça, c'est sûr. La question, c'est qu'est-ce que font Guido et Kat. Sinon, les trois vont se cacher, hein. Et elle aussi, elle va se cacher. Ça nous coûte 30 marks, quoi. Et au moins, je les fais un peu baisser pour le prochain tour, hein. Et elle, pour 5 mecs, j'y vais pas. C'est bon, hein, pour 5... Pour 5 pèlerins en plus. Et là, je vais les cacher, comme ça, on revient. Mickaël et Ouara vont être un peu dans la merde. Mais par contre, les autres vont être bien. Sauf si on a des... Faut parler aux ouvriers, mais... Pas assez de membres libres. Qui est ouvrier? 4, mais 4, elle commence à être un peu dans la sauce, quoi. On va récupérer combien? On en récupère 4-5, tu vois, pour du risque. Non, 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 je préfère la jouer safe. Honnêtement, on va déjà faire un gros coup avec la peinture. Chaque chose en son temps. 2 à la peinture, 3 à la cachette. Encore des marques. Voilà, c'est à côté, mais c'est pas loin. Allez, allez, hein. La nuit venue. Mais Michael écrit des... Oh oui, les slogans qui passent. Le lendemain, de nombreuses personnes les remarquent. Ah, et Ouara, par contre, elle est cramée. Hein. 13 sympathisants en plus. À côté, ça se cache tranquille. Mais laisse-les à la maison, ils les perdent. Ils perdent une étoile aussi. Ouais. Bon, là, ils perdent plus vite, peut-être. C'est bien. 10 sympathisants en plus, 15 de morale en plus. Nouveau recensement. 65 millions de personnes. Construction de l'autobahn. Programme de construction de large voie rapide. Baldur von Schirach s'est nommé chef de la jeunesse du Reich allemand. Oh là là, jeunesse hitlérienne qui commence. Je sursaute envoyer Michael à la réunion. Il a le visage couvert de bleu et de coupures. Oh là là, il s'est battu. Faudra plus que quelques brutes en chemise brune pour me faire taire. Depuis que les nazis ont interdit les syndicats, je me fais agresser dès que je monte au créneau. Je poursuis la lutte. Chill, hein, frérot. On respire, hein. On respire, on respire, hein. Je te propose de vraiment respirer, quoi. Oh là là, le quartier rouge, là. Contrebande de livres. Oh, je peux faire de la contrebande de livres. Hertha Schmidt est en contact avec un groupe de résistants étrangers qui peut nous transmettre des livres interdits. Mais c'est parfait! C'est exactement ce qu'il me faut, ça. Phlegmatique, néfaste, peureux, paranoïaque, instable, traumatisé, fonceuse. Donc je peux juste pas envoyer lui. Oh, et Ouara, par contre, elle est cramos de chez... Ça nous coûte 40, mais c'est rien, hein, c'est pas grave.
Il faut quoi? Discrétion. Ouais, discrétion, elle est bien meilleure, elle. Et culture. Parfait. Ok, parfait. Bon, là, on a mis ça. Établir un atelier, ça pourrait être bien. Il y a une collecte de dons, mais c'est pile dans le mauvais secteur. Putain. Obtenir un parking industriel. Donc ça, on va faire ça, c'est magnifique. Diffusion de livres. On les a pas, là. Pour l'instant, on est qu'éblo ici. Ça, c'est dommage. Est-ce qu'on revole? Ah, c'est risqué de voler, quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. On va pas revoler. On va pas revoler maintenant. On va pas revoler maintenant. Non, 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 non. Fausse piste, non. On peut parler aux ouvriers, quoi. Hein. Lui, il est bon pour parler aux ouvriers. La question, c'est qu'est-ce que ça rapporte vraiment, quoi. Non, on va se faire un 9-11. Ça nous ferait 11. Et Ewara, Ewara est chill à la maison, je pense. Hein. Utilise tes renseignements si tu veux voler. C'est vrai que j'ai de l'inventaire. Hein. J'ai des informations cruciales. Est-ce que si, par exemple, genre, je mets là, l'information cruciale... Ah, les informations cruciales, ça fait monter de ouf, quand même. Mais est-ce que je crame mes informations cruciales pour ça? J'ai des renseignements aussi. Ah, je peux cramer des petits renseignements par-ci, par-là. Hein. Eh. Là, je peux faire un tour à 26. Hein. Pour le vol. Pas là. Même les renseignements, tu penses? Ça vaut pas le coup? C'est vrai, si je vole... Ah, oh, c'est chiant, putain, faut annuler l'autre truc et tout, c'est relou, ça. C'est tout que c'était où? Ah non, ça change rien. En fait, ça c'est juste pour la propagande. Enfin, pas pour la propagande, mais... Si, par exemple, je fais... Ah bah, il manque les sauts de peinture. Non, non, mais je pense que vraiment, c'est... Quand tu parles aux ouvriers, en fait, c'est... C'est ça en fait, c'est tu leur donnes des infos quoi. Si je fous un saut de peinture, ça les fait kiffer? Non, ça c'est juste dangereux. Si je fous des sous, ça aurait été marrant que les sous fassent que les gens viennent. Je vais en mettre deux. Faut la tenue pour le vol. Ah c'est mieux ouais. Et Wara, non je vais pas l'envoyer se cacher hein, je pense. Ça coûte trop cher pour 30 pour une personne, elle va rester à la maison, ça sera tout aussi bien. Donc du coup il y en a deux. Qui vont justement faire de la contrebande de livres et deux qui vont parler aux ouvriers. C'est beaucoup, hein, parce qu'en fait, plus on a de sympathisants, plus ça rapporte de sous chaque tour. Regardez un peu là. 72, c'est 22. Et Wara, elle attend juste. C'est exactement ça. Rencontre des collègues. Il leur parle pour. Oh là là, témoin. Je persévère. On est capable de taper là. Le témoin s'en va. Tiens, mange. Il s'avère qu'il y a encore des gens insatisfaits. Bien sûr, on les chope. Eh, hey, je voulais pas partir là, on a trop investi, on a investi des renseignements et tout. Hein. 20 sympathisants en plus, c'est énorme, on avait 70. Hein. C'est à peu près une évolution de 30% quand même. Voilà, 35 même. Alors, Guido s'est fait repérer. Mais c'est pas grave, on a deux livres. On a deux livres, on va pouvoir faire des contrebandes. Par contre, tout le monde s'est fait griller. Hein. Va peut-être falloir qu'on parte un mois ou quoi. Copernic. Le soleil matinal me caresse le visage, tandis que je descends en gare de Copernic. Il fait bon, on sent que l'été approche. Je pars retrouver Marianne, l'une de nos sympathisantes, qui est censée m'attendre. Quand j'arrive au quartier d'Elsengrund, aucun ouvrier n'est en route pour l'usine, aucun enfant ne joue dans la rue, aucun passant n'est sorti pour faire ses commissions. Là, on va presser le pas. Hein. Je file retrouver Marianne au plus vite. Je sens une odeur de fumée. Sans doute les feux dans les jardins ouvriers proches. Ça sent pas bon, là. J'arrive enfin à la petite maison qui... Je vous gêne? J'arrive enfin à la petite maison qu'habitent Marianne et son mari Werner. Tous deux sont d'anciens syndicalistes qui soutiennent notre groupe. Ouloulou. Ouloulou. Est-ce que vraiment, quand il n'y a personne... Faut qu'on voit quand même. En vrai, moi, j'aurais frappé pour voir sonner, ça va griller tout le monde. Frapper, on va voir. Je frappe à la porte. Oula. Au bout de quelques secondes, un rideau s'écarte et le visage de Marianne apparaît brièvement. Elle me voit et ouvre la porte. « Tu es folle de venir ici ?» me souffle-t-elle en jetant des regards de côté. D'un geste, elle me fait entrer et referme derrière moi. Je lui demandais la raison de sa réaction. « Nous avions rendez-vous, lui dis-je. Y a un problème ?» Nous nous installons dans une pièce mal éclairée. Tous les rideaux sont tirés. Dans un coin, une fillette dessine en silence. Je ne la reconnais pas. Marianne et Werner n'ont pas d'enfant. Une nièce, peut-être ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'y a-t-il ? Cache une juive ? T'es pas au courant, me dit-elle, plantant son regard dans le mien. Des rafles aux quatre coins d'Elsengrun. Ils ont arrêté des dizaines de personnes. Qui ont-ils arrêté?
Elle, elle pourra t'en dire plus. Marianne désigne la fillette qui n'a pas levé les yeux de son dessin depuis mon arrivée. Isote, dit Marianne. Peux-tu raconter à mon amie Rita ce qui t'est arrivé hier ? La fillette s'arrête de dessiner et me dévisage. Oh, on va regarder le dessin, ça va être dur. Ah oui, c'est du... Là, c'est mon papa. Et là, ce sont les hommes qui l'ont emmené, dit la fillette. En rentrant de l'école, il y avait un camion garé devant chez nous. Et Hélène, ma copine d'école, elle m'a dit « C'est ton père, non ?» C'est là que je l'ai vu. Il y avait des hommes. Deux qui tenaient papa et un troisième qui le frappait. J'ai commencé à pleurer, à leur crier dessus, mais ils ont continué. Qu'ont-ils fait ensuite ? Ensuite, ils l'ont poussé à l'arrière du camion, puis eux aussi sont montés en continuant de le frapper. Je criais si fort que tout le monde m'entendait, je les suppliais d'arrêter. Oh, c'est dur. Et alors maman est arrivée, on est parti à la recherche du camion. On l'a retrouvé devant un bar, papa avait disparu. Mais il y avait d'autres méchants. Et quand ils ont vu maman, ils l'ont reconnu et ont voulu l'emmener elle aussi. J'ai crié si fort que j'ai fait peur aux méchants et ils n'ont pas osé emmener maman, de peur que je leur casse les oreilles. Et on est venu chez tante Marianne. Là, maman est occupée, mais elle viendra me chercher plus tard. Pas vrai, tante Marianne ? Oui, Isote. Oh, c'est dur. Tu es une petite fille courageuse, Isote. Merci de m'avoir raconté cette terrible histoire. Mais vous allez me ramener mon papa, hein ? C'est dur de lui mettre une clim. Je vais faire de mon mieux. C'est dur, je ne veux pas lui promettre un truc que je ne peux pas lui promettre. Je me tourne vers Marianne et lui demande « Où est ton mari ?» Je l'ignore, dit-elle en secouant la tête. Il n'est pas rentré hier soir. Ça t'inquiète pas ? Je suis mort d'inquiétude, oui. Mais je dois rester avec Isote. Si toi, tu peux aller voir où est Werner ? Alors, je vais essayer. Hein. Je promets rien. Moi, je promets rien à personne. Hein. Par où commencer ? Aucune idée. Isote m'a dit que les hommes qui avaient emmené mon père étaient venus en camion blanc. Et ces jours-ci, j'ai vu un camion blanc dans le quartier. Ça ne peut pas être une coïncidence. Après avoir salué Marianne et Isote, je sors de la maison. Dehors, un camion blanc me dépasse à toute vitesse. Il transporte quelque chose, mais je n'arrive pas à voir quoi. Voilà la piste que j'attendais. Le suivre en courant, oh, peut-être discrètement. Hein. Le camion disparaît rapidement, mais la route ne mène qu'à un seul endroit. La forêt de Schmokwitz. On va dans la forêt, là. Le type jamais sûr de rien. En même temps, c'est chaud. Hein. Oh, on va dans la forêt. Hein. Malgré le soleil printanier, il règne un froid glacial dans cette forêt. J'avance prudemment. Hein. Oh, y a des corps. J'avance prudemment en balayant la forêt du regard. Je remonte le chemin qui relie Copenhague à Vulraid. Alors que je marche au milieu d'arbres gigantesques et feuillus, je remarque en hauteur quelque chose qui pend. Oh. Un sac est suspendu dans le branchage, tel un cocon de chrysalide géant. Oh, y a un corps. Je grimpe dans l'arbre, le coupe. Il tombe sur le sol, un bruit sourd. Oh, on se doute que... Tailladé pour ouvrir. Un regard vitreux me fixe, c'est Werner, le mari de Marianne. Son visage est ensanglanté et couvert d'échymoses. Il n'a plus d'œil droit. Oh, je vomis un coup. Je pars vomir sous un arbre. Quand je relève les yeux, je vois qu'il y a d'autres sacs, beaucoup d'autres. Putain. Prenant. Hein. Juillet 33. Le NSDAP est déclaré seul parti autorisé en Allemagne. La Gestapo et la SS arrêtent plusieurs dizaines de milliers d'opposants pour les envoyer en camp de concentration. Votre autorité est stable et votre groupe a recruté et conservé suffisamment de sympathisants pour tenir face à la répression brutale. Fin du chapitre 1. Eh ben... Putain... Ah, le jeu est incroyable. La semaine sanglante de Copenhague n'était ni la première ni la dernière. La SA et la police arrêtèrent des dizaines de milliers d'opposants politiques. Beaucoup d'entre eux furent emprisonnés, torturés ou tués. Les nazis interdirent tous les partis politiques hormis le NSDAP et décrétèrent que désormais, ils régnaient seuls sur le pays. En novembre, Hitler fut réélu avec 92% des voix. Nous nous cachâmes car il semblait qu'il n'y avait plus rien à faire. Oh, le petit groupe de résistance, l'apogée, chapitre 2. Le monde doit connaître la vérité sur l'Allemagne. Il est incroyable ce jeu! Il est incroyable! Ah, c'est fou! Ça change d'Overwatch. Ah bah là... À la suite des événements de Copenhague, les nazis ont arrêté de milliers d'opposants. Attendez les potos. Je vous propose de continuer. On va continuer très tranquillement. J'aime beaucoup le jeu. Hein. Pause pipi, t'es chaud. J'allais proposer exactement la même chose. J'aime énormément le jeu, je le trouve très très stylé.
Je le trouve vraiment très très stylé. Je vais continuer, je vais juste me chercher un petit truc à boire. Je continue juste après. Et on est parti pour le chapitre 2. En tout cas, très très belle découverte. Donc à tout de suite, petit entracte, je suis là dans 2 minutes.